Bon, haïtien Fremson, Jean que m'te dit là, nous pas bay docteur Gary Koni yon carte blanche pour le faire salver. Mais cependant, nous pas venir là tout comme ravet politicien traditionnel assassin qui va l'attaquer Gary Koni. Parce que politique gon Jean que le fait. Et me dit nous ça très bien pendant tant que moi-même moi fait vivre là en Dominicanie, moi comprendre la politique. Et ça que fait me dire comprendre la politique, c'est parce que moi Dominique gon pratique politique que yo fait la caillou qui pote résultat pour peuple yo, qui pote résultat pour pays yo et qui avait image pays yo. Et bien dans ce sens ça, me dit que pratique politique ça ou bien stratégie politique ça ou bien façon que yo fait politique là, façon que média dominicain et bien fait politicien yo comporter yo dans affaire politique, et bien nous même qui gen micro dans la presse en ligne, qui gen majorité à qui tendait nous qui fait nous crédit qui va nous oreilles, qui va nous tendre yo pour yo tendre nous et qui accepte pour supporter nous dans cadre démarche yo dans tout ça que nous entreprendre, et bien justement nous avons façon pour que nous-mêmes nous comporter nous et fait jeunesse là comprendre la politique parce que ça qu'a fait en Haïti hein, depuis plus passé 30 ans, li pas politique. Avec arrivé docteur Gary Koni, nous avons façon que nous devons faire. Et m'te dit, m'te besoin occasion ça. Moi joine ni. Peut-être que pas une façon que m'te souhaité à chita avec communauté haïtienne non, même j'aime tal New York en décembre, m'te passé plusieurs autres côtés, même j'aime plusieurs autres invitations que m'poko capable et répondre avec yo non communauté haïtienne dans États-Unis d'Amérique. Et mais justement, gon l'autre façon que nous devons faire. Nous t'es capable chita en communauté pour nous joindre yon groupe haïtien, Antonio, yon groupe haïtien la France, yon groupe haïtien Canada, États-Unis, tout l'autre pays yo pour que nous choisissions moun pour nous voir comme représentant nous dans les affaires politiques en Haïti. Mais comme Gary Koni, par contre si c'est vous qui voyez ou par contre si c'est moi qui voyez, mais sauf que nous tous capables de dire que Gary Koni son gros palto dans les Nations Unies qui travaille pour les Nations Unies dans plusieurs pays dans le monde là et son élément ou du moins son jouet, j'en que tout le monde dit là, ancien président américain qui c'est monsieur Clinton. Eh bien, Gary Koni vin là, yo dit monsieur Seyon envoyé spécial, envoyé spécial. Si Gary Koni t'avait un envoyé spécial, mais même l'homme elle vient d'Haïti. Moi elle parle langue pam nan. Moi elle parle créole, moi elle soit haïtien. Et le mal gardé, me fouez zone kala loum parle avec des grand moun qui connaît Gary Koni. Yo dit mbeto, Gary Koni c'est petite yon Duvalieris. Papa Gary Koni, c'est un homme de caractère. C'est un monde qui a un sens de responsabilité. C'est un patriote conséquent. Yo dis nous, où est Gary Koni? Si monsieur, tu as pris côté papal, m'papa nous menti, non seulement mis sap strict, et monsieur, monsieur pral prend décision que le pral prend là, sap sévère, et la prend en faveur pays. Peut-être que, il doit avoir une minorité qui ne doit pas comprendre ou bien qui pas en faveur. Démarche, monsieur, yo, mais la, en faveur majorité. M'cherche bagay de Gary Koni, parce que pas oublier, Gary Koni, te premier ministre sous Mateli, c'était 2011, pour arriver 2012. Monsieur fait 8 mois comme premier ministre. Monsieur tourne dans le pays, m'a dit environ 13 ans après. M'a dit 12 ans après. Quel âge comme de guerre? OK, ça veut dire que faut que nous comprenions la réalité. Ça c'est là pour être capable de comprendre que m'ta poule dans 18 points pour m'avancer. Ou dire que d'ab dit tout clairement, est-ce que bientôt t'as suivre politique à 17 18 ans? Est-ce que nous comprenons moins? Mais quelque part, m'a dit nous oui, bientôt m'a suivre et situation domaine politique, alors pas de focus. Mais sauf que tant des émissions politiques de qu'on fait ça en pile. Même vraiment vu une focus sur le temps des politiques, c'était en 2013-2014, lorsque Laurent Lamotte pral tombé comme premier ministre. Moi, songe ça, la de l'eau sorti dans les yeux Lamotte, 12 décembre 2014. Et c'est là que ça me met en fixation sous affaire politique. Parce que je me rappelle, qui radio qui était plus attaqué Lamotte à l'époque? Et c'est là que ça me commence à réfléchir bientôt. Je me dis, comment que comprendre la réalité ya? Le samedi, ouais, radio et télé Zénith, là, me dit nous, Ronnie Colin fait payer ça mal là. On va comprendre la réalité, oui. Ou alors, on a décidé de mettre le bon côté, un petit clan, un petit groupe voix, un volet, qui n'est pas haïtien, qui n'a pas décidé de faire rien dans le pays, mais qui décide de botter tout sa pays comme l'argent.
Ou alors on nèg décide mettre on nèg pareil ou décide mettre le service nèg ça yo. Son nèg ou de prendre ou pan ni sous place publique oui. Monsieur 2013-2014, moun ka pa attaquer la mort sans camper, c'est Radio Zénith. Là ça t'ai une émission qui était le très matinal. Louko Désir là dans l'autre, Louko Désir m'a enragé. Pa vle ou la mort à l'époque. Songe. Gros émission que m'tap suivre. Yo dit Louko que la mode besoin pour arrêter l'attaquer. Louko crie dans la radio, Louko orgueillé. Pas de j'aime de ça du tout. Par conséquent, c'est des groupes moun qui n'ont dos ou Nicolas avec équipe li, qui ont poussé Louko à l'excès. Parce que tout simplement, à l'époque, la mode vient à l'idée, bail courant, 24 heures sur 24, dans 22 mois, oh oh! Mais qui côté la mode, t'as passé toute péripétie. Mais comme ça, c'est pas lui même qui débat dans l'émission, mais peut-être qu'on va tourner sur lui, il y a l'autre là où du moins c'est fait émission. Mais cependant, dis-nous que, docteur Gariconi, monsieur Vini là, il y a un pile causé qui commence à parler. Et je dis, hein, qui c'est 6 et juin 2024 là, nous venons dire qui choye. Non seulement, nous avons façon que nous avons Gariconi et nous décidons pour que nous-mêmes en tant que médias, pour nous parler avec Gariconi. Et en plus de ça, mal plus loin, pour m'aller chercher Zona Kalalo. Pendant que je fais virer en Dominicani, eh bien, je connais que j'ai des amis qui sont proches des médias dominicains et qui sont proches du gouvernement Luis Abinader, qui est au pouvoir là. Je connais amis même, c'est son bon bagage, monsieur, franchement, je travaille dans le consulat dominicain, qui est dans Brickell Avenue, dans Downtown Miami. Monsieur, c'est un vraiment, son équipe ambition politique, mais ça va avancer. Monsieur, son proche Abinader, monsieur, petit garçon Abinader. Et monsieur, c'est un nèg comme si, c'est comme si m'a dit, monsieur, son frère haïtien. Et nous, presque, parler chaque jour. Et monsieur, pas de me comprendre la réalité politique pays. Monsieur, parle de Haïti de temps en temps. Mais monsieur, ouais, Haïti, l'autre façon par rapport, alors, qui est différent par rapport avec l'autre Dominicain, qui parle ouais, les Haïtiens, qui parle ouais, Haïti. Monsieur Dieu consacré. Là, monsieur parle de Haïti ensemble avant. Ouais, monsieur, franchement, ça montre que y a Dominique qui moun. Monsieur Dieu, et Belto, comme si il consacrait les moins. Monsieur Haïti, c'est Bessino pays. Haïtiano, c'est Amingo, et Primo, comprenez El Mano. Comme si Haïti, c'est frère li, c'est cousin li. Gonzame Djoulan, c'est tout bagay net. Et, monsieur, comme si, où est Haïti pas supposé dans l'état ça? Et monsieur, après, c'est dit nous même en tant que jeunes, il faut que nous prenions responsabilité nous pour que nous changions de nos politiques dans le pays d'Haïti. Et, monsieur, dit comme ça que la jeunesse dominicaine, eh bien, yo même, yo invité pour que yo rentre dans sa affaire politique. Et Abinader fait promotion. Pour que jeune yo kembe l'école en Dominicani. Kembe l'école parce que imbécile pa vinn dirige la Dominicani. C'est moun ki konn li, c'est moun ki bien formé, OK? Bien éduqué, k'ap vinn diriger la Dominicani parce que Dominicani ki yo besoin en 2030 lan pour arriver 2050 lan, son Dominicani côté que comme si son pays que tout pays a pas envie que monde l'a bien focus sur lui. Son petit pays que tout monde l'a bien focus sur lui. Mais quelque part politique la Dominicani envers Haïti, l'hypothèse est fuite pour la Dominicanie, mais Haïti a toujours représenté une véritable menace pour la Dominicanie, en bon créole. Eh bien, avec arrivé, docteur Koni, gon plaigné, gon yé, dans le couloir politique dominicain, dans le couloir gouvernement Abinader, dans le couloir média pour gouvernement dominicain. Qui ça va galayer? Gary Koni, pardon, Dominicain yo, getan kouri. Alfon vraiment ou lecture de courir. Alors, courir pour l'invité. Et m'capable capable de dire, docteur Gariconi, ou bien chercher qui contrôle Canada de ce monsieur. Yo, Gariconi, c'est un haïtien qui a une connexion tête chargée à l'échelle internationale. C'est qui va que sauter avec la Dominicanie. Ça fait ingérence ou du moins. Hypocrisie politique, diplomatique que Luis Abinader t'a fait depuis après assassinat président Jovenel Moïse, côté que monsieur montrait que la plainte pour douleur, calamité haïtien à vivre en matière de sécurité,
Et puis en même temps, lui-même, la banque des affaires personnelles, pour le passer comme maître de l'île. Mais je senti que, avec arrivé Dr. Gary Conny comme nouveau premier ministre, il n'a pas accès à ça, il n'a pas pouvoir ça. Et Gary Conny, plus compétent. Gary Conny, plus compétent. Monsieur, plus bien monté, son tête qui est bien faite. Et monsieur, gardez, qui est-ce qui Gary Conny? Il va essayer pour ne qui. Son ne qui mieux placé. Gary Conny, c'est petite Nations Unies. Ah, papa, attendez bien, oui. Et c'est là, m'a dit nous, peut-être nous capables de une chance là, si que Dr. Gary Conny respecte nos Conny là. Que papa le bali, papa le c'était un chevalieriste. Si Dr. Gary Conny respecte nos Conny là, à 58 ans, si l'envie quitte non ça pour petite li fier de non ça, le haïtien ouais petite Gary Conny, pour bayo la main, mette chapeau bas devant yo, si Dr. Gary Conny envie quitte ça pour petite li, on pas nous mentir nous sauver. Oh, me dit nous mon cher nous sauver, on va parler qui chez avec nous. Parce que je dis, hein, c'est 6 avril. Alors, pardon, c'est micro de quoi là, 6 avril là. C'est 6 juin. 2000, mais quoi, il est passé 6 avril, il va être chargé. Et quoi, cause, date s'arrête là. En tout cas, date s'arrête là, attendez. Je veux dire, c'est 6 juin 2024. Et docteur Gary Conny, demain, si Dieu veut, a fait président Jovenel Moïse 35 mois. Depuis que, nèg avec femme qui a fait politique en Haïti, assassiné. D'accord, Conny? Ou gen les assassins Jovenel Moïse kap défilé dans couloir primature là. Faites attention. Ou pas à l'abri tout parce que depuis ou comme menace, yo ka rentrer dans chambre hôtel koto. Surtout quand dans hôtel Waldesson. Waldesson dans hôtel Boulos. C'est malhonnête. Nou pa di non. Un cachet mais cachet nobrique non. Dans hôtel Boulos Waldesson. Qui est-ce qu'elle met dans hôtel Boulos là? Waldesson dans hôtel Boulos. Boulos qui était couru quelques jours avant assassinat président Jovenel Moïse, il était passé là tourner dans pays quelques jours après, il pas qu'à tourner parce que non tellement cité fort, il pas une explication pour le bail, pas de l'eau pour laver, il pas média capable cleaner tant que Clorox. Vous comprenez moi? Boulos obligé de dire. Pardon, docteur Conny. Et bon dis nous Gary Conny pour proche gouvernement dominicain et les médias pro gouvernement dominicain ou yo wè docteur Conny comme une véritable menace, comme une véritable menace. M'a rappelé nous que et c'est là yo tourné qu'on est que me regrette infiniment et m'a dit publiquement me regrette monsieur parce que moi j'ai mis en pile. Et peut-être que pas gen problème ensemble avec docteur Claude Joseph mais franchement moi même ça mort. Monsieur fait des bagailles que je ne comprends pas, qui dérangent, je dis tête clairement, bam pour recul, parce que le sacrifice que nous faisons pour le pays, je ne sais pas ton nèg, qui a foncé des coupes que je ne comprends pas, vient faire discréditer dans la bataille que nous fait. Mais bien que, pas que mon cap osé faire ça, parce que les bons nègres rentrent dans bagailles qui mal ou rentrent dans volant, pour que mon cap dise volant, c'est moi-même. Je ne vais pas tolérer ça avec personne. Mais ça que je me dis, moi-même, docteur Claude Joseph, c'est l'homme garde moi. Qualité bataille. Et c'est même bagarre qui vient paraître là pour Gary Conny. C'est l'homme garde moi qualité bataille que nous avons mené. Docteur Claude Joseph qui veut joindre nous. Et monsieur, gon poids politique que le prend sous Zilea. Et que chaque fois monsieur parle en Haïti, Zilea répond. Zilea attendez. Et puis, des politiciens dominicains, ou du moins l'État dominicain, et moi, président Luis Abinadel, a répondu Claude Joseph, qui n'a pas autorité encore. Attendez bien, oui. Ou qu'a compris ça, ça veut dire Claude Joseph, ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères, Ariel Henry, humilié monsieur nos gouvernements, monsieur pas premier ministre, monsieur comme simple citoyen seulement, vignon homme politique, qui a de médias en ligne solide ensemble avec qui cohérent, qui conséquent, monsieur qui a un poids politique que le prend. Le Claude Joseph font tweet seulement, pardon, le docteur Claude Joseph fait un tweet seulement, ou est, ou senti Zilea, répondre ça monsieur dit, et comprendre ça monsieur dit, et pour les médias dominicains répondre, et pour autorité officielle. Dominique yon répond, déclaration Claude Joseph. Et puis par la suite, Abinadel senti que monsieur tellement paniqué, faut qu'il pose une action. Il décide pour le prendre, sanction ou du moins interdit, docteur Claude Joseph rentrer sur le territoire de la Kaili. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? Ça veut dire que Claude Joseph a une dimension politique extraordinaire que monsieur te prend sous Zilea, qui te prend un gros impact à l'échelle internationale, qui te prend le fait que monsieur n'a pas venu un véritable leader. Parce que nous t'avons bien, monsieur. Claude Joseph, dis-le pas besoin ça.
monsieur décide de ni bataille Haïti pour défendre Haïti en face à Dominicani, ou du moins en face ultranationaliste dominicain au vague, monsieur décide de tourner deux bails jeunesse haïtienne qui coin dans lui vague. Monsieur décide pour que alors les suspend jeune support diaspora haïtienne nan. Il décide pour le suspendre jeune. Monsieur décide pour le tourner dos. Et Claude Joseph, stratégie politique Claude Joseph là, c'est même pratique politique, politique traditionnelle, pas sérieux bluffé, qui crase Haïti pendant 30 dernières années. C'est vraiment malhonnête. C'est regrettable, mais m'abdil quand même, parce que démarche politique de Claude Joseph pour le moment, ouais, c'est même démarche politique, ravette politique criminelle assassin qui volait comme paysan, qui met Haïti au service des oligarques corrompus et qui n'a trouvé président. Ça veut dire que Claude Joseph sentit qu'elle était trop propre, trop belle, avec bel mouvement politique, côté qu'elle a invité la jeunesse, parce que tout côté, diaspora haïtienne derrière, monsieur sentit qu'elle trop belle, trop propre pour ça. Monsieur envie à bien dans la boue, moi Jean-Charles là. Et ouais, monsieur, kembe moi Jean-Charles avec toutes mes salles là, parce que moi Jean-Charles dans cool. L'offre ça, ou perdu, yon bagay qu'on pas ka jouen encore. Ou du moins, c'est extrêmement difficile pour qu'on jouen. C'est pas ça débat. C'était juste une petite parenthèse. Tendez ça. Docteur Garikoni, et ça qui a parlé en Dominicani avec nous, monsieur, yon ouais, monsieur, comme yon menace pour intérêt la Dominicani en Haïti. Ha, monsieur! Gon bagay que m'te dit, semaine qui s'est passé ya. M'a réitéré ça que m'te dit, et semaine qui s'est passé ya. Dans l'émission, ça, pas j'en oublié ça, jodi yon 6 juin 2024. Ou sous plateforme YouTube, Info Bertoa. Moins content pour ensemble avec nous. Ici, c'est Vite Pao. Bertoa, ou connaît nous, sous nom Info Bertoa. Bon, question que m'te pose. Le que des autorités, en dedans gouvernement, Luis Abinader là, et cela m'di nous, oui, ou si n'a fait politique éclairée. Challenge politique là, doit la Dominicanie. Challenge dirigé ya, parce que diriger, c'est prévoir. Faites la politique, c'est défendre société ou défendre pays ou défendre peuple pour créer conditions pour que moun fonctionne, protéger moun. Faites la politique. Ok? Eh bien, challenge politique nous a supposé politicien dominicain yo, dirigeant dominicain yo. Ok? Pour moi, parce que je suspecte qu'on bagaille. Meilleure façon, ou du moins facilité que nous avons gagné, pour Haïti, alors Haïti gagné, pour que les fonds bagaille la Kali, c'est leur gagnon un pays qui dit bagaille mal de lui. Ou du moins, la Dominicani qui tente dit bagaille mal de lui. Exemple, canal Sourivier Massacre là. Mes amis, j'ai envie de nous partager mission ça. Tant pis. Rendez tête ton service là. Rendre pays en service là, rendre papa nation en service là, partager mission en tout côté. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, partager avec tous les amis sur WhatsApp justement, pour les clamettes le bouillot, pour tout le monde capable de participer ensemble avec nous. Parce que moi, je trouve le lien extrêmement important pour nous gagner en pile haïtien. Tant d'émissions, ça je dis. Moi, je te pose la question. Qui ça? Qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Et pour qui raison? Chaque le gagnant haïtien qui comprennent très bien politique Zilea, qui comprennent très bien politique internationale gagnée enfin comme si dans la Coupe d'Haïti, qui comprennent très bien et stratégie politique dominicaine, un dirigeant qui a une dimension extraordinaire, qui est bien instruit, bien éduqué, okay, qui franchement bien formé, qui décide de faire de la politique en faveur du peuple, qui ça fait que la Dominicani well comme une menace. Avec arrivé
ancien sénateur Guy Philippe. C'était 3 décembre 2023, Guy Philippe quittait la DCPJ pour prendre direction Gradas. Guy Philippe commençait à poser des actions concrètes. Il fait des discours dans le sud Okaï. Li marche plusieurs côtés dans quelques sections communales dans la zone Bolakaili pour saluer Mounio. Parce que 6 ans, 7 mois d'ailleurs, c'est pour un jeu de lié. Li prend la parole officiellement dans ville Jérémy. C'était 5 décembre 2023. Il prend la parole officiellement. C'était 5 décembre 2023. N'a pas les deux commandant en chef révolution que n'a regardé sur écran. Ancien sénateur Guy Philippe. Qui te prend la parole officiellement dans le pays d'Haïti sous place publique Jérémy 5 décembre 2023. Ça va bien, oui. Là, nous allons dans l'autre déclaration que des proches du gouvernement dominicain a fait. Côté que ouais, docteur Gariconi comme une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Qui ça qui intérêt la Dominicanie? Yo te dit pour Guy Philippe m'a font râler sous ça que yo te dit de Guy Philippe là et ça que me te dit et information que me te gagné, me pral partager ensemble avec nous et me pral ba nous raison qui cause yo ouais docteur Koni comme nouveau premier ministre pays d'Haïti, chef gouvernement, yo n'est qui compétent, yo n'est qui gon canal adresse qui bien charpenté. Vous comprenez ça, mais Dieu là qui bien rempli. Yo wè docteur Koni comme une véritable menace. Pour Guy Philippe, yo te dit ouvertement. Là, Guy Philippe prend la parole officiellement. Dans Gredans, il a annoncé que 1er janvier 2024, il a invité tout le monde gonaïve. Préparez-nous. Nous prenons fête et fête indépendance paysan pendant que nous avons tout lancé révolution pacifique pour libération. Tenez bien, oui? Je précise ça que je dis. Pendant que nous avons tout lancé révolution pacifique pour libération pays d'Haïti 2024. Elle te dit ouvertement que 2024 ça a marqué un tournant dans l'histoire nous comme peuple. Peuple haïtien. C'est des gros bagay, oui. C'est des gros causes. OK? C'est des gros bagailles. Eh bien, alors, comment Guy Philippe fin fait déclaration sur la Jérémie, pile en pile moun la Tibonique comment se préparer? Il y a deux bases, et c'est là où il y a un exemple vivant qui montre où le gagnant leader qui a une crédibilité. Le met pied en côté où est tout le monde qui pas t'entendre, il y a une facilité pour entendre. Oui. Tu as un raboto avec des cas dans la Tibonite, deux zones ça va pas bien. Et bien, le Guy Philippe a annoncé qu'il a un naïf. Tous les débats, je vais préparer pour Guy Philippe. Oh, ça veut dire qu'il y a une facilité, qu'on prend commun, qu'on entente qui est capable de jouer. Effectivement, 1er janvier 2024, de manière stratégique, Guy Philippe a pris direction le Grand Nord. Et qui parle, il a interdit
yon compagnie d'avion pour pas porter Guy Philippe. Et là, Guy Philippe vient joindre une potel. Yon même menacé pour retirer licence li. Guy Philippe pas de possibilité pour le tourner de Cap Haïtien avec grandance sous ti avion ça encore. Mais, m'a dit nous ça très bien, en nous rete sous 1er janvier, Guy Philippe descend, jeune rive une possibilité pour arriver Cap Haïtien. Le rive Cap Haïtien, li font déclaration, et puis dit t'as le concernant Gonaïve. Effectivement vrai, Guy Philippe avec équipe li prend direction Gonaïve. Guy Philippe rive Gonaïve, bon 2h30 dans l'après-midi. C'était rad maré. Na Gonaïve nous te wè image yo. N'a prêté sous, tenez bien oui, n'a fon politique éclairée. M'a invité tout zami, famille, plateforme, YouTube et Foubeto, aide me fait ça. An nous fon politique éclairée parce que jodi an, pour ça que moi la Dominicanie a fait comme exploit sous Iléa, nous même en tant que haïtiens, nous doué changer physique nos épaules pour que nous fon l'autre modèle politique. Et ça cause, moi dis bravo, oui, moi dis bravo au vêtement avec Teriel Telus. Cap supporter Dr. Gary Conny. Moi dis bravo avec John Colem Movan. Cap supporter Dr. Gary Conny. Mais c'est nous pas besoin attaquer avec Clef Jean. Mais c'est pas parce que comme si m'a dit moi même go façon que moi avec Clef non, m'a demandé nous attaquer avec Clef Jean pas important. Au contraire, peut-être nous plus dire avec Clef Jean mais ça que nous voulons à nous entendre pour nous faire bagarre parce que si monsieur pas faire bagarre, nous peut-être nous inviter l'émission non. Au lieu de nous attaquer pour nous dénigrer. Moi, elle pas make sense, il pas comme si il pas porter résultat parce que nous qui on avec Clef Jean, la Dominique a gagné elle alpha, elle jefe. OK? Elle alpha. Yo respecter elle alpha. Elle alpha pas gagné mention, pas gagné pile bagaille dans pays. L'état dominicain crée conditions pour que tout le monde capable vivre dans pays. Elle alpha ou elle même, il doit gagner un big mention en Dominicanie. Il doit faire belle vidéo en Dominicanie. La Dominicanie est stabilité. Président dominicain mène un coup avec El Alpha. Par conséquent, El Alpha dit que lui-même met tel président que le terrain remet. C'était ancien président. Mais par conséquent, président que El Alpha remet, il n'est pas président, non? C'est Abinader qui est le président. Eh bien, El Alpha still relé. Luis Abinader dans le téléphone pour le relé. El président, el commandant, de suprême de tel barré l'armée, eh il félicite lui. C'est pour la République dominicaine. Monsieur, on va essayer de faire un bagage qui est différent par rapport avec la façon que les médias traditionnels là. Et qu'on a comporté yo envers des superstars, du moins des artistes que nous gagnons. On a évité ça, on a fait l'autre bagaille. M'a parlé de Morvan et puis Teriel Telus. Nous, ces deux jeunes garçons, attaque Wyclef, pas poté fruit, pas poté résultat. Puis nous invité, monsieur, questionner monsieur même. Teriel gon facilité. Ou tout New York, Wyclef tout New York. Invitez Wyclef dans le studio même, ou du moins prendre espace. Invitez monsieur directement, moi m'a fait. Ok? M'a invité Wyclef, m'a point espace même, m'a invité Wyclef et m'a sous plateau ensemble avec pour me questionner Wyclef. M'a fait. OK. Moi m'pas de code décider de faire ça, me parle avec Wyclef tout le temps, même décider faire pour que me parle avec monsieur de face to face. Parce que moi on est capable tout le monde mentor ou pas capable bête mentor. Négatif. Ou tout connait que ce soit venir participer dans émission ou du moins souvenir parler vérité. C'est clair. Mais on doit éviter faire des attaques sur Wyclef Jean. Parce que il y a des attaques que nous fait sur Wyclef Jean, il y a tout dit ou travaille pour Dimitri Vob. Il y a tout du clairement ou ap travail pour Dimitri Vob. Ou ap travail pour système nan. Parce que pas oublier, l'oligarchie pour y sentir haïtien nan, yo pa vle Wyclef. Yo pa vle Wyclef. M'le nou konsay. C'est-à-dire que nous même qui gen micro pa nou an, qui gen diaspora haïtien qui moun de bien kap suiv nou. Le nap monte yo diaspora pour attaquer de haïtien nan diaspora qui peut-être pa gon bagay nan pays d'Haïti, mais nous pa questionner grezo qui cause yo bagay nan pays d'Haïti. Li di oui. Il faut nous faire très attention pour pas mettre étiquette ça sous don nou. En avance. Et t'es la Dominicanie en Haïti. N'a que t'es attaqué Guy Philippe. Et, mes amis, mal loin. Et, salut chaque grand monde qui est ensemble avec nous là. Salut Teriel Telus. Salut Busta John. Salut Jimmy Mouna Fébon TV. Salut Hébert Tochon. Salut Denise. Salut Tcheko Peuple là, parler Haïti. Busta John, Madame Sarah Zamim. Et, salut Pasteur Kayo. Ok? Pasteur Kayo. Salut Pasteur Kayo. C'est quand il faut nous parler sous temps d'émission. Il faut nous parler. Hier, qui ton message, moi, désolé. D'après une classe, je ne suis pas capable de rejoindre nous. D'accord? Parce que il faut nous parler. Il faut nous parler, c'est très intéressant. Il faut nous parler. C'est quand pile bagay qui a passé là, moi.
besoin plus explication pour que me comprenne parce que nous très prudent avec des monde ça yo là qui Philippe rive go naïve monsieur fait radmaré raboto sorti des chaos sorti deux zones qui pas bien yo tout font seul tout monde maintenant coup tout leader zone ça yo maintenant coup Guy Philippe son signal son exemple vivant qui montrait que haïtien capable mettre tête ensemble pour parler seul parole intérêt dans intérêt Haïti de go naïve et 7 8 heures du soir Guy Philippe rentre capable ici encore Guy Philippe te pour te faire rouler dans capable ici c'était 2 janvier te gagne en pile l'appui dans go naïve ça devait faire que Guy Philippe pas capable sortir Guy Philippe te gagne jep de fleurs pour le talpoter dans un monument dans le noyau mais Guy Philippe revient dans tellement sale fatra la bout de l'eau senti monsieur dit qu'il pas intérêt pour aller marcher sur fatra de l'eau senti pour aller mettre un jep de fleurs dans pied et une et bah qui est important pour nous monsieur pas fait Guy Philippe prend décide pour que li rentre et dans le département nord-est pays pour que li aller sous canal là pour aller sous canal là. OK? Eh bien, effectivement, le 3 janvier 2024, et m'a dit nous ça encore une fois. Gary connait te mettre vin là bien programmé avec toute ça qui dans tête li. Mais ou même comme peuple, ou même comme jeune garçon haïtien, soit faire politique éclairée ou c'est moun ou décider battre avec tout nan ou c'est pas l'argent à chercher ou qu'a déprogrammer Gary Koni pour programmer en faveur peuple haïtien en faveur peuple pays d'Haïti. Et m'a dit ça honnêtement, on nous pas attaquer monsieur. On nous ba monsieur ayoué libre. On nous veiller quel que soit avec politique criminel assassin qui besoin poste dans gouvernement qui pas jeune qui vient attaquer monsieur pour nous foutre libre à caler dans les médias. Et automatiquement nous fait ça. Monsieur a devant fait accompli. Nous pas quitter nèg vinn saboter vinn rendre Port-au-Prince invivable du tout pour que on ait vinn dit nous tel bagage tel bagage n'a mettre stabilité dans Port-au-Prince là attendez a gagné yon comme dit que ça pas quitter ravette vinn faire comment il écraser briser manifester pas gagné ça nous ba monsieur yon highway politique avec le pouvoir là mais parce que pas oublier son groupe coquin qui décide rentrer dès yon téléphone de manière stratégique non coquin yon prend pouvoir peuple là. Mais là, on prend pouvoir peuple qui doit faire comme peuple ou même, ou de camper. Pour dire que M. Vin là non jette coquin, eh bien, moi, je décide pour programmer. Pour déprogrammer et pour nous programmer en faveur nous. Et garçon, avec un discours pareil, ou pas capable de programmer en faveur nous. Et qu'on fasse que nous bons au champ libre, ce celle-ci ou pas ta petite, papa ou M. Koni, qui c'était un duvalieriste 100% pour ta va vin détruire Haïti plus davantage avec criminel yo. Ou doit venir là avec des nouvelles têtes. Et ça cause moi dit bravo avec Gary Koni. Monsieur dit que li prioriser la jeunesse pour que yo intégrer gouvernement. Me dit bravo. Monsieur prioriser femme yo pour que yo intégrer pouvoir politique là. Me dit bravo. Docteur Koni, sou capable prendre 3 ou 4 ministres qui sont dans diaspora pour bay par exemple ministre affaires étrangères. Ah oui. Ministère Affaires étrangères. Ou cherchez un haïtien conséquent. Ah oui, un haïtien conséquent. Ou mettez. Alors, quittez dans l'armée américaine qui a une formation militaire. Ou prenez monsieur avec passeport américain l'amel. Ou le mettez dans la tête ministère de défense dans le pays d'Haïti. Parce que vous avez un haïtien qui tellement envie de Haïti l'armée. Oh! Ou prenez un haïtien conséquent. Ou le mettez dans la tête ministère de défense en Haïti. Ou cherchez un haïtien conséquent dans la diaspora. Ou mettez-le. Comme ministre de l'intérieur. M'en vie ou bagay comme ça. Intégration la diaspora haïtienne. Présence diaspora. Paraît physique. Dans le gouvernement pays d'Haïti. Et pour prendre un directeur général douane. Qui connaît l'administration bien. Dans diaspora. Ou mettez comme directeur général la douane. Et qui pral crée une facilité pour l'État collecter l'argent. Mais l'État n'a pas besoin de rançonner Haïtien malheureux qui a fait un conteneur. Mais il a besoin pour tout le monde payer
yon ti monnaie et puis le monnaie a vin un château l'argent. Et pour seule catégorie moun qui doit payer, mais c'est tout le monde qui doit payer. M'a tourné sur ça docteur Koni. Parce que moi m'di n'a font l'autre modèle politique. M'a salué zanmi nou madame Evelyn Louis. M'a salué madame Ariana depuis Boston. James C Atispam depuis Boston. M'a salué ou. M'a salué tout zanmi k'ap tande nou nan ville Massachusetts là. M'a salué tout zanmi k'ap tande nou depuis New Jersey. Maraville me, m'salue ou. M'salue tout zanmi k'ap tande nou, et zone Kay Biden, zone Delaware. Bo bagay, m'salue nou. Et Aïssé k'ap tande nou depuis Washington DC. En pile respect, en pile l'amour pour nous. Mwen men nou en pile. M'salue tout frèm avec sèm k'ap tande nou depuis Brooklyn, New York. M'salue Wyclef Jean k'ap tande mission sa peut-être nan moment sa. Et m'salue tout Aïssé k'ap tande nou nan ville New York. Ou comprenez mwen? Et zone Nations Unies, tout haïtien qui travaille dans Nations Unies, m'salue nous. M'salue nous, kembe la. Et gon zanmi qui te recevoir nous dans nan Nations Unies, qui te prêt pour te faire tout parcours en dedans Nations Unies ensemble avec nous. M'salue aux compatriotes. Kembe la. M'a salué détective Lubin. Ah oui, m'salue détective Lubin. Yon nèg sage, yon nèg éclairé, yon haïtien le la parler au senti qui rem Haïti pour tout bon. Détective Lubin depuis New York City. M'salue ou et monsieur Lubin. Kembe la. Et m'salue tout haïtien qui vivent dans tout état États-Unis yo. M'salue tout frèm avec sèm qui vivent à Marseille, Paris, dans tout pays la France là. Respect pour nous. Moi salue tout haïtien qui vivent la Guyane française. Monsieur dame, chapeau bas. Haïtien qui vivent à Londres en Angleterre. Monsieur dame, chapeau bas, en pile l'amour pour nous. Haïtien qui vivent la Suisse, messieurs dames, l'amour pour nous, respect pour nous. Nous salue tout compatriote haïtien qui vivent depuis Bahamas, Koulakao. Et nous salue tout haïtien qui vivent la Martinique, la Guadeloupe. Vous comprenez moi? Tout haïtien qui vivent en République Dominicaine, collé avec nous là à côté, on te que me connaît bien, on te que me vive là-dedans, on te que me grand pile zami dominicain là-dedans, femme ou garçon. Et nous salue tout haïtien qui vivent en Dominicanie. Je salue tous les compatriotes haïtiens qui vivent en Haïti. Je salue nous tous en général, que bon Dieu veille sur nous chaque jour. Et je demande à tous les haïtiens qui vivent dans Port-au-Prince, restez très très vigilants. Restez très très vigilants. Si nous sommes capables de quitter le quartier populaire de manière stratégique de temps en temps, en nous essayer de faire. De manière stratégique, je bien dit, en nous essayer de quitter le quartier populaire de manière stratégique de temps en temps, en nous faire. Parce que, quel que soit Jean, ça y est, en dedans quartier populaire, a gon bagay k'ap fèt quand même. Quel que soit Jean, ça y est, en dedans, quartier populaire yo, a gon bagay k'ap fèt quand même. On nous fait très attention. En avance. Intérêt la Dominicanie en Haïti. Exemple, première fois yo dit. Yo dit, Guy Philippe représente une véritable menace pour la Dominicanie. Qui l'a yo dit? C'était après passage, commandant Guy Philippe, dans le département. Nord-Est pays nan ba plein Maribao sous canal là. Image là nous capable raler le mettre sous écran pour. Et c'est quitter moi pour aller rentrer sous dossier docteur Gary Konian que en pile gros fonctionnaire, en pile gros palto dans la presse dominicaine dans le gouvernement dominicain, ouais docteur Konian comme véritable menace pour la Dominicanie. Maintenant, si vous capable docteur Konian comme véritable menace et pas comme son menace comme son est capable qui va faire violence non? Menace pour les intérêts. OK? Intérêt la Dominicanie. Qui ça qui intérêt la Dominicanie? Rete là toujours, n'a pas vini. Et m'ta remé pour docteur Koni. Tendez émission ça parce que son émission sans pareil qu'a fait là. Yon émission avec un jeune garçon haïtien et une audience éclairée qui bien instruit, bien éduqué, qu'a tendé, qu'a gardé émission 1. Son émission que vous devez tendre. Parce que pas oublier, son émission qu'a fait, moun qu'a fait émission ça. Ce n'est pas moun kapral chercher job l'État. Ce n'est pas moun kapral chercher job nan men ou. Ce n'est pas moun kapral chercher intérêt pour voler comme l'État. Ce sont haïtiens qui remet Haïti et qui ont latrié haïtien derrière qui remet Haïti quand vit tourner la caille. Mais kap chercher, ils vont aller mieux pour payer ça pour peuple ça. Docteur Koni, nous pas boyon et yon champ libre pour faire sauver nous. Nous boyon champ libre pour faire exactement ça nous voulons. Voilà. Lè ki Philippe rentre,
Tout ça qui va passer, tout ça qui va venir passer. Là qui Philippe rentre là, li nan département nord-est pays. OK? Guy Philippe rentre là. Li nan département nord-est pays. Et puis li annonce que le projet Ariel. Il mandé pour Ariel tomber, mais pas oublier. Dans moment Ariel c'est un véritable garant pour les intérêts de la République dominicaine en Haïti. En entendant des déclarations Guy Philippe fin fait qui va que sauter avec la Dominicanie. C'est extrêmement important de rappeler ça pour nous capable comprendre qui ça qui intérêt pays voisin là caillou. Qui ça qui dérange gouvernement voisin qui cause le nous gon haïtien qui compétent qui montre un visage que le Haïti qui ça fait ouel comme une véritable menace. En entendant petit cal discours ça. Et puis la troisième monde qui disponible qui fait que yo te dit que Philippe représentait une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Attendez ça. Quoi la dedans pas nous quoi il va pas faire ça peuple là il va pas faire ça nous mais on promet nous même qui gagne pour une bataille pour peuple là nous même qui veut faire changement ça bataille que nous va mener contre système ça contre statut quo ça il y a deux issues possibles ou bien criminel qui va appeler Haïti yo passer sous entrail nous ou bien nous passer sous yo c'est pour ça vous lier c'est seul je vous joindre Haïti que nous besoin encore une fois mes amis nous nous anamet. Moi dis nous merci. Moi dis nous merci parce que nous baillons. On exemple le canal ça. On exemple que Haïti a mis ensemble. Que nous avons unis nous. Même force qui unit nous pour nous faire canal ça. On unit nous pour nous jouer une force pour nous retirer Haïti dans sa salle là. Nous capables. Si nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables. Si le problème est sécurité avec le pays, non, moins que 90 jours, nous capables résoudre. C'est mon problème grave. Il a Noël, mais il a résoudre. C'est Ariel, c'est équipe Lyon, c'est volonté politique qui va gagner, qui fait insécurité là toujours. Je dis, nous ne pas faire violence. Nous ne pouvons pas venir menacer la vie aucun monde. Vous juste dit Premier ministre, vous faites temps, vous faites l'heure, à la caille. Allez, nous pas besoin encore. Pas peuple là en chance. Et nous dit ambassade, surtout ambassade américaine, suspend appuyer Ariel. Parce que n'importe qui est victime, tout haïtien qui a mouru chaque jour, c'est sous responsabilité. Il a mouru. Peuple haïtien, reviens dire merci. Mais ça, je vois un gros coup de chapeau pour nous. Je vois comment nous accompagner le peuple tout le temps dans la bataille, ça, bataille de dignité. Ça. Et je dis merci. Non, non, peuple haïtien, et non, non, pas. Merci en pile. Je connais. On nous fait police nationale nous en confiance. On nous fait l'armée d'Haïti en confiance. On nous fait des sacs nous en confiance. Pour nous joindre à Haïti que nous besoin. Comment nous comprendre que l'ambassade américaine dit qu'il va appeler l'armée d'Haïti travail pour pays. Pendant ce temps, il y a les 300 soldats et Kenya pour vivre une bonne sécurité. Ça veut dire. Pour qui ça a payé l'exil? Pour qui ça a payé l'armée ça? L'armée ça, ça dit c'est l'eau. Pendant qu'on va appeler l'armée à sécuriser le peuple là, c'est la meilleure qui a sécurisé Ariel. Pendant qu'on va appeler. Voilà, pas oublier non? Déclaration a été faite 3 janvier 2024. Ben moi avancer toujours pour me permettre de comprendre la réalité qui gagnait et des bagages ça mais qui ça qui mes images qui va que sauter non seulement qui fait strict et puis quand des fois le monde qui fait quand des fois le monde qui fait drainer non bas pleine Marie Barreau en face média dominicain et pendant que Philippe parle hein tu gagne toute média dominicain la gedwon sous tête Guy Philippe non seulement a filmé et il y a des micros qui ont metté sous tête bout mi paroi pour y a prendre ça Guy Philippe parce que Guy Philippe a parlé dans micro son on choc ça on et dominicain a enregistré il y a des gens qui infiltré foule noir cap et prend des bagages pour yo. Par la suite Guy Philippe quitté département nord-est Radmaré était fait on dit nous a image yo Radmaré c'est foule monde regardez pour nous eh full moon. OK? Full moon t'es effectivement et derrière Guy Philippe dans bas plaine Maribao. Et par la suite, ça que t'as pas le gagné. Yo pral wè Guy Philippe et Dominique yo dit que yo wè révolution que commandant Guy Philippe a lancé a pouné a yo wè comme véritable menace pour la Dominicanie. Tade bien oui? Yo wel comme une véritable menace pour la Dominicanie. Mais menace pour intérêt, yo wel Guy Philippe comme véritable menace, bam rectifier oui. Yo wel Guy Philippe comme une véritable menace pour intérêt la Dominicanie.
Maintenant, ça va me pousser pour aller chercher comprendre parce que pas oublier et si que on parle pour pays d'Haïti ou envie ou pays changer, pas rail pour aller l'autre pays. Mais c'est chercher comprendre une raison qui cause l'autre pays en belle. Et puis pour même pour dire tout, qui ça que me capable prendre. La Dominicaine pas trahir, te rail nous. Au contraire, yo t'a la caille nous, yo t'a regarder qui j'en ont fait zone quoi beau sale nous à la ville là et puis pour même te prendre pour être capable venir faire Condé ça nous les malécong dans Dominicaine. Dominicaine a gardé une série de zones dans États-Unis pour y faire construire la caillou. Elle a gardé une série de buildings qui fait États-Unis pour regarder comment tu vas investir. Alors, et parler avec investisseur ça pour t'avoir faire même investissement ça en Dominicaine. Dominicaine bataille pour qu'elle gagne ad hoc la caillou. Elle gagne ad hoc là, elle gagne ad hoc casino la caillou, li gagne, li pral gagne ad hoc hôtel la caillou parce que pas oublier guitare là, il va construire Jean Ouelier dans Miami, il va construire en Dominicaine. Casino qui est là, plage qui est là, tout bail qui est là, tout espace qui est disponible. Dominique qui est là, tout espace ça net avec un investisseur ça yo. C'est chaîne appartement qu'a construit en dedans à Douak là. En dedans et pour ta cana pueblo babalo. Mais nous même automatiquement nous ta des étrangers qui vini, ou après oligarque là commencer bail et instruction avec des médias traditionnels pour dire que oh oui, qui tel dirigeant qu'a vendre pays là. Pas qu'à comprendre bagaille ça même. Oh oui, dirigeant vendre pays là pour qu'a prendre ressources nous en bataille. Pays après l'état qu'elle trouvait là. Qui ça fait Dominicaine pas jamais plein ou il y a une ressource li. Et puis la paix des bail tout étranger pas qu'elle partie dans pays là. C'est ça qui fait développer. Nous ou oui nous gagne richesse n'a pas manger sous fatra, n'a pas dormir dans grand goût et puis Dominicaine a avancé. Il a avancé. Attention. Et vous parlez de ça on a gagne aller toute qualité bagaille net ou toute qualité disque et puis y a fait coopération sérieux gagnant gagnant pour nous capable sortir pays dans ça qu'elle trouvait là. Guy Philippe fait passage ça. Non. Nord des pays, tout média dominicain dit que Otto ça représentait une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. C'est même bagaille là pour Dr. Claude Joseph. Il te dit que Claude Joseph représentait une véritable menace pour la Dominicanie parce que M. c'est un fitu président d'Haïti. Et si M. arrive président dans le pays d'Haïti, il te dit que M. son fitu candidat qui est capable président en Haïti, oui. Et là, tout média de cette, il a fait tweet là même. Je me rappelle tout ça, soit je te vois le docteur Claude Joseph. Elle fait débat dans tous les médias dominicains. Je te vois le PM Claude Joseph. Claude Joseph, gardez le. Il est content, il me dit, monsieur, continue à peser maintenant. Continue à peser parce que dimension quoi prend, c'est dimension ça nous besoin. On nous challenge à Dominicani, c'est pas Raïl, n'a pas Raïl. On nous challenge parce que il y a tellement de efforts qu'il a fait, il y a tellement envie de pays avancer. On nous challenge nous-mêmes pour nous faire politique éclairée là, nous. Intégration de la diaspora haïtienne dans sa fait politique paysan. Intégration de la jeunesse haïtienne dans sa fait politique paysan. Et puis, automatiquement, nous allons gagner de nouvelles têtes qui viennent faire politique et puis nous changer pays. Malheureusement, plus gros indignation, plus gros regret dans la vie, c'est où Claude Joseph rentre dans le couloir politique, criminel assassin, gang sale politique depuis 30 ans. Il va faire même politique avec eux. Plus gros regret. Et comme si nous avons dit, je me suis perdu. Tout confiance moi que me te mettre dans monsieur ça pas un problème en pile parce que monsieur trop jeune garçon pour se prendre là-bas vote moi Jean-Charles on pourriture politique on gangster politique on ravette politique on sans vision politique ou aller en bas vote moi Jean-Charles come on pas sérieux mettre là honnêtement pas sérieux et nous avancer. Vous avez Claude Joseph comme une véritable menace. Vous avez Guy Philippe comme une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Maintenant, vous avez PM Gary Koni comme une véritable menace pour la Dominicanie. Qui est-ce qu'a fait PM Koni? Une véritable menace, nous prenons le ça ensemble avec notre démission. Ça fait Gary Koni capable de véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Nous prenons le comprendre et nous prenons ça que nous avons comme information. Nous prenons quelques secondes, nous tournons dans quelques secondes. Et partagez pour nous, quittez un commentaire et dis-nous qui ça qui cause ou pensez que vous êtes capable de voir Gary Koni comme une véritable menace. Et puis, je comprends la vérité, et je viens de nous, ça peut me gagner dans Jacques. Tout ça qui vous passer, tout ça qui va venir passer, c'est sous responsabilité de l'ambassade américaine, à tout le monde qui est tout haïtien qui a mouru chaque jour, c'est sous responsabilité, il y a mouru. Peuple haïtien,
Je viens dire merci. Mais ça, vous voyez beaucoup de chapeau pour nous. Je vois comment nous accompagner le peuple tout le temps dans la bataille, la bataille dignité. Et je dis merci. Non, non, peuple haïtien et non, peuple. Merci en pile. Je connais. On nous fait la police nationale en confiance. On nous fait l'armée d'Haïti en confiance. On nous fait BESAP en confiance. Pour nous joindre à Haïti que nous besoin. Comment nous comprendre que l'ambassade américaine dit qu'il va appeler l'armée d'Haïti travaille pour pays. Pendant ce temps, il y a les 300 soldats et Kenya pour une bonne sécurité. Ça veut dire. Ça veut dire. Pour ça n'a payé l'exil. Pour ça n'a payé l'armée ça. L'armée ça, ça dit l'eau. Pendant qu'on va appeler l'armée à sécuriser le peuple, c'est l'armée qui a sécurisé Ariel. Pendant qu'on va appeler l'armée à faire travail, protéger le peuple à la capoufeuille, c'est l'armée qui a fait défiler, danser à Ariel sous champ de masse. C'est l'armée ça y est. Ou bien on prend responsabilité. Voilà, nous tournons. Et merci en pile, commandant Guy Philippe. De prendre le clavier. Et. On va avancer. Nous prenons une droite. Dans la raison qui cause. Yo, ouais. Docteur Kony, comme une véritable menace pour la Dominicanie. Nous prenons là-dedans tout droit. Et c'est très intéressant pour que nous allions là-dedans tout droit. OK? Très intéressant pour nous aller là-dedans tout droit. Qui ça qui cause? Gary Kony capable d'une véritable menace pour intérêt et la Dominicanie. En Haïti. La fonti range moi. Et voilà, m'a se moqué là. Si moqué n'a pas dit que moqué. Et voilà. Gary Kony ouvert bouche tout là, jeune gens. Ouvert bouche tout là, bon bonjour. Nèg bordé oué. Nèg bordé oué. Meto en Flandre. On meto en Flandre sur écran. Ouais moi, on est Shell Boy, on meto en Flandre. Et d'après nous-mêmes, qui raison qui cause, il est peut-être capable de Dr. Kony comme une menace pour les intérêts de la République dominicaine en Haïti. Qui ça qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Et c'est ça la question. Qui ça qui intéresse la Dominicanie en Haïti? Voilà. Et c'est exactement la question. Peuple haïtien, on a le fond exercice ensemble avec peut-être un pile nèg avec femme qui dans qui gagne micro dans la coupe d'Haïti depuis 30 ans n'est pas jamais courage pour faire. Un. Docteur Gary Kony. Monsieur, c'est petit yon Duvalieris. Papa, monsieur, son homme qui te gen caractère. C'est ton patriote, son ex strict. C'est ton patriote. Deux. Gary Kony fait à Port-au-Prince. Monsieur fait études à l'étranger. Monsieur travaille pour de gros instances internationales. Exemple. Nations Unies, c'est un gros palto en dedans Nations Unies. Abinadel, c'est pour que le peur. La carte Dr. Kony. Relation Dr. Gary Kony au niveau Nations Unies, Abinadel pas gagné. Et Abinadel pas jamais gagné dimension ça. Compétence et capacité Dr. Kony, Abinadel pas gagné. Abinadel, c'est juste un businessman. Qui va faire politique en Dominicanie. Mais qui est extrêmement intelligent, qui est éclairé, mais qui a fait politique en faveur du peuple. Dominicain, ouais, Abinadel, alors ouais, pardon, Dr. Kony, par rapport avec influence, monsieur, dans la communauté internationale, là, relation, monsieur, si que monsieur t'a décidé pour faire des bagarres en Haïti, non seulement pour monsieur bataille, pour le goût, mais pour le mettre. Et sécurité, mais stabilité en Haïti, yon pral découvrir un, que goun couloir zam kap soti volontairement l'autre bon frontière là pour al déstabiliser pays d'Haïti, pour al armer de jeunes garçons en Haïti, pour que yon capable déstabiliser pays ya.
Docteur Kony, automatiquement, il contrôle ça. Et en plus de ça, pas oublier, Nations Unies récemment est sorti un rapport côté que il dit clairement, il y a pile d'âmes qui sortent des États-Unis. Les âmes sont rentrés en Dominicanie. De la Dominicanie, ils sont rentrés par voie terrestre en Haïti. Ça veut dire qui ça? Gon base, cap commande des âmes États-Unis, cap rentrer en Dominicanie et cap fait rentrer de manière stratégique par voie terrestre en Haïti. Aïe, aïe, aïe. Tout ça au passé, en bas yeux, Docteur Kony, il connaît yo. Yo peur, c'est pour. Attendez, considère ce que ça fait. Yo peur pour que Gary Kony pas soulever dossier ça yo. Et si Gary Kony voulait, il a coincé la Dominicanie pour que on cartouche pas rentrer en Haïti encore. Là, depuis cartouche a pas sorti, États-Unis pour rentrer en Haïti pour tout droit, il pas sorti en Dominicanie encore, en quelque part il a capable contrôler zam qui n'amène Haïti et cartouche cap utiliser dans pays d'Haïti. Yo fait vetting. On vetting dans la police là. Passer les policiers dans la passoire, voir les policiers voler, aller foutre en bas code et mettre monde bien et puis contrôler la police là pour que la police parle bay bandi zam, parle bandi bal. Le sénat est capable de mettre sécurité dans le pays. Contrôler de ces âmes dans le pays. Désarmer les gars avec zam. Rentrer toutes les âmes qui sont dans le pays et puis armer les gens légalement. Tout le monde est capable de faire zam, oui. Bay possibilité pour tout le monde de faire zam, mais légalement. On a gon zam. Les font zak, c'est même avec les États-Unis, la peine de mort. La peine de mort. Ok? Peut-être nous, on parle pour tout le monde pour des âmes Haïti. Mais honnêtement, j'en paye un gang sérisé ya, et gang ap tout le monde, si que tout a essayé de des âmes, monsieur que volume kidnapping n'est pas dans le niveau ça, peut-être on est capable de tout un homme, mais avec ils ont envie de lever un homme pour aller avec, et avec facilité ou bien ou assassiner lâchement, les pas capable de faire Haïti. On a pas capable d'assassiner mon vieux doit aller avec facilité, bla bla. Non, on a pris un temps pour faire. Qui ça qui intéresse la Dominicanie en Haïti? Intérêt la Dominicanie en Nouvelle, à nous chercher à comprendre. Haïti commence à rentrer dans une instabilité généralisée. Vraiment, instabilité généralisée. C'est ce secteur politique là qui fouille là-dedans. Et sous l'ordre, l'oligarchie pour y sentir qui n'a pas trouvé le président pays. On nous comprend ça avec. Un, yo pe koni, parce que koni gagne yon connexion internationale ki yo koné. Yo pense que si koni ta gen volonté pour le fond bagay en Haïti, ça pral déranger la Dominicanie complètement et ça pral mette en jeu budget que la Dominicanie, enveloppe budgétaire que la Dominicanie te gagne, que le koni l'ap jwenn en Haïti ya. Enveloppe budgétaire. Parce que yo budgetise ça ap jwenn en Haïti ya, yo pa mette l'officiellement. Pour aïe, c'est capable de connaître que y'a trop de valeur, mais quand tu comme que Dominique a prêté sous doyo, y'a pas, mais on rentre dans Katimini, il est là. Y'a compte quand tu comme que y'a rentré. Et même, même plus que ça, y'a pensé même des fois. Tellement y'a marché dans mes yo, tellement fait ça, y'a voulu. Pour y'a clair sous ça, y'a sûr que Gary Kony, son équipe à la bataille pour que Haïti capable de stabilité, pour que touristes capable de rentrer dans le pays. Dominique a pensé ça en pile, y'a réfléchi sur ça. On allait sur le plan touristique. Ça c'est pour le côté que nous allons Haïti, ça qui fait nous pas de touristes encore, c'est le phénomène gang, insécurité généralisée, l'instabilité. Et en tant que politique, pas jouer, comme si gang politique cap bataille, assassinat président, vieille image pour pays. À nous sortir 2019. On nous dit que 2019, Haïti commence à rentrer dans une instabilité généralisée. Touristes commencent à visiter le pays. En quantité encore. Mais touristes Haïti ont été obligés de commencer à rentrer en Dominicanie. À 90%. On nous dit que nous avons recevoir dans le pays, par exemple, 3 millions de touristes. Et on nous dit que nous avons recevoir 3 millions de touristes en 2019. Par exemple. Eh bien, 3 millions de touristes, pour Pipiti, la Dominicanie prend 2,7 millions là-dedans. On nous met 2,5 millions là-dedans. Dominicanie, ça fait que la Dominicanie, pour Pipiti, en 2019, on nous mettait que la Dominicanie rentrait 10 millions de touristes là-dedans. D'accord? On nous mettait que l'y rentrait 10 millions de touristes là-bas.
Et nous parlons sous chiffre. Si que la Dominicanie en 2023, li gen 30 millions de touristes contre la Kaili, li collecte 11 milliards de dollars américains dans le ministère et tourisme, et ça que bilanté, année 2023, 31 décembre, et dans Punta Cana, président Luis Abinadel, bay enveloppe qui rentre dans le ministère du tourisme, dans les affaires touristiques. Il dit que yo recevoir 30 millions de touristes. Et l'argent que yo collecte dans le secteur touristique, là, c'est 11 milliards de dollars américains. D'accord? On avance, mes amis. Si vous rentrez, vous faites 30 millions de touristes en 2023. En nous mettez 2022, vous avez fait 20 millions. En nous mettez 2021, vous avez fait 15 millions. En nous mettez 2020, vous avez fait 13 millions. En nous mettez 2019, vous avez fait 10 millions. Soti. En 2019, pour arriver, 2024, pour Pipiti, la Dominicanie collecte plus passé 20 milliards de dollars américains dans le secteur touristique là seulement. Qui ça qui intéresse la Dominicanie en Haïti? Vous pensez que le docteur Koné est capable de mettre ça en question, et monsieur Koné que c'est l'agence qui est capable de rentrer pour développer le pays. N'a pas comment ça veut dire. Dominicanie, prétendez bien oui, presque 60% l'argent de la Dominicanie a rentré dans le secteur touristique. Ou bien 40%. Vous prenez tout touriste nous, vous prenez des milliards sous de nous, et puis vous décidez de se pour vendre nous toute qualité de produit qui n'est pas bon, qui n'est pas bon pour nous manger, c'est nous qui vendre nous. Vous vendre nous produits pour plus passer 3 milliards de dollars américains chaque année. Nous avons des Haïtiens qui entrent en Dominicanie, qui a fait mes cailles, qui a fait mes cailles pour 1 milliard de dollars américains. Pour 1 billion de dollars américains. Je ne sais pas comment ça veut dire. Haïtiens qui a fait mes cailles pour payer courant, électricité, payer cailles chaque mois. Et qui a fait maquette chaque 8 jours. Je ne sais pas comment ça veut dire. Intérêt la Dominicanie en Haïti. Qui ça qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Docteur Koné, non pas M. Beto. Nous ne venons pas bêtiser avec personne. Mais nous venons chercher la vérité. Nous venons questionner. On sait le bagage parce que nous avons besoin d'Haïti sortir dans cette nouvelle-là. Ou c'est yon, on fait guider dans la diaspora. Bien que vous dites que des gens qui viennent avant. Mais je dis que je suis bien content ou venir après 12 ans. Parce que ça lui montre clairement. Portland tout ouvre définitivement Jean-Jovenel Moïse pour la diaspora essayer de rentrer dans les affaires politiques pays. Nous devons mettre ça légalement. À travers référendum constitutionnel pour que diaspora soit capable de voter à travers constitution. Gary Koné ou devant fait accompli. Ou devant fait accompli. Ben nous prenons un petit de l'eau, pour nous inspirer. Nous faut tirer des connits tout. Bayer avec partenaire, yo dit ah, m'ba wè la santé là, m'ba wè l'éducation là, formé le programme pour me supporter. Fois ça, ça paye quand Haïti a essayé faire, il a essayé assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout, l'agenda. Tendez bien, oui. C'est donc parole là qui est fort dans 10 prochaines années, pour Haïti, pour tout Haïti ait accès avec Internet. Et c'est ça la Dominicani fait. Dominicani rassure que tout Dominique ait accès avec Internet. Gare qu'on était dit ça. C'était en 2012, oui. 2012, oui. Et 12 ans après nous, là, oui. Il a fait une interview ça à Bruxelles, oui. Bien loin, oui. Ah, monsieur Vin Lakounia, avec le docteur Koné, je vais aller ça pour vous. Bataille pour que tout Haïtien ait accès avec Internet pour nous. Pour tout Haïtien ait accès avec Internet, Koné, nous ne pouvons pas faire sans courant. Nous avons une vieille centrale dans la commune Kafoula que l'État haïtien construit pour tout neuf. On a allumé centrale là pour nous. Dans la commune Kafou, docteur Koné. L'éclair. On a allumé centrale là pour nous, docteur Koné. On a allumé centrale là pour nous. OK?
centrale électrique dans la commune Kafoulan, on allume pour nous. On allume pour nous. OK? On allume pour nous. Docteur Kony. On allume centrale électrique là pour nous. Et c'est très intéressant. Pour allumer centrale électrique là. OK. C'est très intéressant pour allumer centrale électrique là. Pour qu'il capable jeune courant 24 heures sur 24. OK. Pour nous capable joindre courant 24 heures sur 24, ou avoir plus facilité le ça pour jeune capable joindre internet là. Les gars internet là pour capable utiliser les Docteur Kony, c'est très intéressant pour nous. OK? OK? C'est très intéressant pour nous. Intérêt la Dominicanie en Haïti et menace que ouais Dr Kony représente pour les intérêts de la République Dominicaine. Un haïtien premier bagalam dit non c'est secteur touristique là. C'est un secteur que Dominicanie pas négocier même. Moi même nous obligé pas faire une politique bataille avec eux, mais n'a font politique éclairée pour que nous même nous jeune parti pas nous dans le secteur touristique pas nous. Parce que si on prend tout secteur touristique là, de fait nous obligé pour la bataille là, c'est un gros bout de toton bataille que nous pour allier pour nous capables rassurer et touristes et bagaille pour capable rentrer dans pays d'Haïti. Ça cause moi dit nèg, on nous éviter attaquer White Cliff parce que n'a besoin White Cliff dans ça. N'a besoin monsieur. N'a besoin monsieur et monsieur capable. On garantit monsieur capable. Depuis nous pas monsieur possibilité stabilité parce que monsieur qu'on grand bagaille que le besoin. White Cliff juste besoin un gouvernement qui stable. Pour que l'État capable de garantir tout étranger qui va rentrer dans le pays, si il y a un investissement garanti, il faut que nous ayons stabilité pour ça. Il faut que nous ayons garantie absolue. Et c'est ça que tout le monde gagne leur arrivée en Dominicanie. Il y a une garantie que l'investissement n'est pas capable de gaspiller. C'est à cause d'un haïtien qui gagne un passeport américain. Il y a une garantie d'investir en Dominicanie. Il y a une garantie d'acheter un caille pour le mettre dans Airbnb en Dominicanie. Il y a une garantie. Peut-être même qu'il y a un passeport haïtien. Alors non, parce que. Ou vraiment comprendre la politique dominicaine face avec nous-mêmes haïtiens, peut-être nous capable d'être prudent, garder prudent, hein? Et, mais bien que, chargé haïtien qui a un bout de papier dominicaine qui est caille pas en Dominicani. Caille pas yon rentre, tout le monde connaissait pour yon lien. Yon paye pour tout le bagage là-dedans, yon paye tout le bagage là-dedans. Yon juste paye le Dominique qui connaît ça, oui. Dominique qui connaît, sous 100% haïtien qui est sous territoire, gen, c'est peut-être 5% ou bien 8%. Qui est document légal. Attendez bien, oui. Si on prend ce pourcentage, sous 100% haïtien qui est dominicani, peut-être 8% qui est document légal en dominicani. Mais après ça, l'autre 92%, c'est complètement illégal. Illégal. Et chaque jour, tout va monter. Si on a fait mes cailles, on a still acheté terre, on a still construit cailles, pas en dominicani. Vous voulez nous comme ça? Et pas oublier, si nous avons une stabilité dans le pays d'Haïti, tout ça, c'est dans le pays nous avons fait, oui. C'est dans le propre pays, non. Dans le propre pays, nous avons fait tout ça. Vous voulez nous dire ça? Dans le propre pays, non. Dans le pays, nous avons fait tout ça net. Vous dire que nous n'avons pas de question de faire la caille voisine. C'est dans le pays, nous avons fait tout ça. La caille, non. C'est la caille, nous avons fait. Il n'y a pas de problème pour nous. Nous avons bénéficié de tout ça net ou qu'on est.
OK? Et m'a dit que m'a dit nous que naturellement Dominicani plus gros menace li plus gros raison qui cause li prudent li peur pour que yon dirigeant haïtien un haïtien éclairé yon haïtien conséquent yon haïtien qui respecte tête li yon haïtien qui rem Haïti li peur pour que naturellement haïtien sa pa vinn diriger Haïti parce que depuis haïtien sa vinn diriger Haïti li peut-être capable et mettre stabilité ap capable gagner et la pensée pour secteur touristique là la pensée pour agriculture là la pensée pour que nous capable remettre éducation en sous pied parce que docteur Koni prend en charge ministère de l'éducation nationale me dit bravo ah oui monsieur prend en charge ministère éducation nationale et de la formation professionnelle éducation ministère de l'éducation nationale. Ah papa. Me dit bravo avec docteur Koni qui estimait que eh ben ministère éducation pas qu'à nommer n'importe monde, nommer des hommes politiques. Et c'est très intéressant pour que nous pas quitter c'est des politiciens qui mettent monde dans l'éducation nationale. Et m'a dit docteur Koni, nous gagne $50 là. N'a quitté diaspora haïtienne dans continuer bailler pendant tant qu'on fait comme premier ministre là. N'a quitté diaspora haïtienne commencer continuer bailler. Mais faut moi non. Faut qu'on mette un contrôle sur l'argent qui était gaspillé déjà. Et c'est là sur l'argent qui a rentré. Et l'argent, ça y est, il doit aller directement pour l'éducation. Pour l'éducation. Docteur Gary Koni. C'est très, très intéressant. Très intéressant pour que nous capables. Parce que nous besoin sauver le pays, hein, messieurs, dames. Par n'importe qui, Jean-Président Jovenel Moïse dit, pas de sacrifice qui est trop grand pour Haïti. Pour sauver Haïti. Et c'est une bagarre qui fait que moi, mais Guy Philippe, honnêtement, Guy Philippe tout le prêt pour le parler avec quel que soit haïtien. Monsieur tout ils ouvrent les relais les mettre les l'île. Si la pluie veut les mettre les l'île, la mensonge veut les mettre les l'île, André Michel veut les mettre les l'île, Nel Kassif veut les mettre les l'île, ils ouvrent les mettre les l'île, même Jean Moun dans la communauté internationale là capable les depuis capable les mettre les l'île. La prend appel tout le monde et c'est ça qui est un leader. Et ça n'a go pas la Guy Philippe parce que yo Guy Philippe pas fait personne moun ennemi. Monsieur capable avec tout le monde mais quand il s'agit de affaires pays d'Haïti, il pas négocier. Pardon, il aurait mis ça comme une véritable menace. Et maintenant, sans ça, docteur Koni décidé pour le premier ministre de l'éducation nationale, que me dit, bravo. Et cela m'a demandé, toute ravette politique qui est la tête du militant, mettre Koni de côté. Depuis nous tentons de prendre la rouille, c'est pour nous prendre, nous foutre nous côté, nous machine pas frapper nous. Pas de risque pas gagner pour craser. À nous propre, votre prince. Nous faisons toute vie n'a pas craser votre prince. Je dis à l'île pour le combat de lancer, pour opération, yon pelle, yon bourrette, yon balai, pour nous propre, votre prince. Pour nous propter Kabaïsien, pour nous propter pays. Il faut que rembler la politique suspende dans le cas de briser. C'est très intéressant pour nous. Il faut que nous fassions parce que Haïti n'est pas capable de descendre plus bas que ça. Nous ne sommes pas capables de quitter le pays à descendre plus bas que ça. Et après le ministère de l'Éducation nationale, docteur Koni décide pour qu'il gagne le ministère de la Justice. Je n'ai pas besoin. Mon capitaine dit que c'est blanc, je ne suis pas blanc. Ou même. Ou même ma pété responsabilité sous dos. Madame Baye Blanc, c'est où me connaît, c'est où moi, c'est où qui l'a, ce qui est haïtien, mais c'est où même qui est change là. Elle en a mis, c'est blanc. N'importe quoi qui a vu dos aller, ou qui a couru, qui a parlé, ou qui a dit c'est blanc tout, il n'est pas blanc pour moi. La prête ou même. Parce que c'est où qui a signé, c'est où qui chef là. Et vous entrez dans le jeu de coquin, d'où qu'on sait que péton coquin dans le jeu de coquin pour capable faire le jeu de coquin tout dans le peuple là. Ou qu'a fait. Il y a une bonne possibilité pour faire, n'a pas supporté ou souffert. Et. Docteur Koni décide pour quelqu'un le ministère de la Justice. Bravo. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ministère ça gagné on l'agent dans le service d'intelligence li. Et on fait connait que c'est madame Emily Prophète, Prophète Milse, avec Ariel Henry, Matelik tap gagoté comme ça combien oublié. 15 millions de goudes chaque mois. Monsieur dame. Quand est-ce en pays? Madame n'a pas répété oui, territoire perdu, territoire gaspillé, territoire fait cadeau, territoire m'a pas passé, m'a pas sans l'aime, m'a pas passé ceci, m'a pas passé. Oh! Non, mon cher, c'est pas sérieux ça, mon cher.
15 millions de gouttes chaque mois que Emily Prophète Milsé gagne l'amel chaque mois pendant que madame nan t'a répété nous dit nous que oui Matissan c'est des territoires perdus tel côté c'est des territoires perdus et madame nan gagne 15 millions de gouttes pour service de renseignement payé police qui ont information dans le domaine de ça, et puis baille l'argent et à terre tout pour une boîte silencieuse information pour que contrôle lancer des bagailles. L'argent ça, c'est dans poche vagabond volé l'ali. Dans des pays, ministère de l'Intérieur, il a gagné 15 millions de goudes pour service d'intelligence. Plus il a gagné une caisse noire là-dedans, on l'agence sans contrôle. Même Jean-Paul National gagne elle. Et ministère, il y a l'autre encore, oui. Il y a plusieurs autres ministères qui gagnent l'agence, oui. Il y a pour sécurité publique, il y a un budget 15 millions de gouttes pour renseignement. Il y a un pays pour renseignement, oui. Mais il n'y a pas de renseignement tout. Et, bon, comme c'est Haïti, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de parler à faire de 15 millions de gouttes tout, non? Il n'y a pas de l'argent, non? Il n'y a pas de l'argent, non? Non, il y a l'argent même. Parce qu'il n'y a pas de renseignement et service d'intelligence. C'est pas qui coûte en pile l'argent. Et en pile l'argent. OK? Parce que y a des monde pour infiltrer un espace au avantage que monde n'a gagné dans babé moustache dans espace ça pour accepter traverser ma voix pour les trahir équipe pour bonne information que on a besoin pendant un an ou bien pendant deux ans jusqu'à ce que on aboutisse avec une opération pour démanteler une équipe faut monde ça rassurer que économiquement l'ichita même pendant 30 ans. L'a gagné l'argent pour sécuriser tête li, li pa pran gangou, li pa pran misère, faut monde ça capable gérer tête li parce que information ça va faire cadeau. Il va faire cadeau information, information pas gratis. Dans tous les pays du monde, information pas gratis. Et c'est dans ça États-Unis quoi que cause ou rester dans niveau rivière. Il investit en pile l'argent dans ça et il va importance avec importance capital, total capital avec ça. Oui, il va importance total capital avec domaine ça. En pile l'argent investi pour que en pile l'argent investi. OK? C'est ça, en pile l'argent investi. Dans domaine ça. En pile cob investi. Pour dans domaine capable dit non et renseignement, service d'intelligence. Et Jovenel Moïse t'a pas le mettre là en Haïti. Malheureusement, nous pas n'a eu pas qui était président réaliser ça, il a assassiné qui t'a pral c'était Agence nationale d'intelligence Annie Agence nationale d'intelligence Jovenel Moïse t'a ça Jovenel t'a conseillé bah il t'a mettre dans pays ça. Nous t'a passé monsieur, seul ça monsieur pas de faire. C'est ça comment Guy Philippe pas dire et te dire. Sécurité ou. Donc quand on y prend ministère éducation nationale pour moi même qui normal il pas plaguer les politiciens avec l'équipe ministère de la justice bravo l'équipe ministère économie et des finances bravo et puis l'équipe ministère planification bravo l'équipe ministère de l'intérieur bravo. Du ministère, trois ministères clés, mais c'est environ 5 ou 6 ministères qui sont non négociables. Politiciens n'ont pas qu'à faire gros bruit. C'est là-bas la belle là. Politiciens n'ont pas capable de faire gros bruit. Ok? Ils n'ont pas faire gros bruit, ils n'ont pas ouvert quoi trop. Et c'est là-bas être chargé. Ils n'ont pas faire gros bruit, ils n'ont pas capable d'ouvrir quoi trop. Et c'est compliqué pour eux. Moi, André Michel, qui a essayé de faire gari qu'on y ait Michel a écrit si l'aide d'amour, oui, monsieur, dame politique, yo, et facilité, Gary Koni, monte gouvernement pour contre lui, pour le cas 10. André Michel, en perte de force, li besoin, on ti espace pour lui remettre col encore. Li gen moun ni le mette dans diplomatie, elle peur pour que yo pas révoqué yo. André Michel, besoin positionnel, cherche Koni. André Michel qui tape vle ou Koni. André Michel, oui. André Michel tape vle ou Koni. Mboko jamb saisi comme ça. André Michel tap vle wè Gary Koni. André Dieu pardon mon cher. André Michel tap jamb vle wè Gary Koni. Même dans rêve non. André Michel va tap ka wè Koni. André Michel vle wè Gary Koni.
Ou fou. Michel Tavle ou Gary Kouni. Non, rêve, non. André Michel. Tavle ou Gary Kouni. Ah, mon cher. Et. Mais qui est-ce qui a fait Gary Kouni Zedou là? C'est André Michel. C'est André Michel, c'est ça que m'a dit. Ils sont payés tête chargée. Son pays tête chargée, oui. Là, vous ne pouvez pas comprendre. N'est-ce que si tout pensez que c'est Wayo, volé, fait tout qualité Zach Malhonnête, tu penses PIA. Ok? Et. C'est le bail tête chargée. Vous comprenez? Ok? Eh bien, naturellement. Et. Gary Kouni, monsieur prend dimension, monsieur prend poids politique parce que gagne ça nous capable briller classe politique là ça détruit net li pa, li pour peuple là ça pas important du tout pour peuple là ça pas important du tout que ce bagage classe politique là pour peuple là ça pas important du tout pour nous gagner pour nous parler de yo pour nous gagner respect pour ça pas exister pour peuple là ça pas exister. OK. Pour peuple ça va exister question de classe politique et ça cause ouais tout le monde a parlé de Gary Kouni parce que yo pas de respect pour avec politique yo et docteur Kouni doit prendre ça en considération tout connaît que monde ça pas important pour peuple et tout profiter faire ça l'affaire pour que lui-même les jeunes ont petit casse respect beaucoup de population. OK, parce que ça très intéressant, nous pas besoin de avec ça encore, il faut que nous camper pour une bataille pour une goumer pour nous défendre ça du bec et des ongles. OK, et monde n'a regardé sur écran encore une fois pour monde qui te gagné peut-être 12 ans, le Gary Kouni était démissionné comme premier ministre en 2012, qui Kouni a 24 ans, et qui par contre est Kouni, eh bien, mais Kouni, c'est Kouni qu'on a regardé là. Mais ses visages, et 12 ans de cela, oui, il a, oui, moi, Gary Kouni vieillit net, oui. Elle a l'autre travail avec Blanc, si j'en viens vieillir facile, je ne pas comprendre ça, non. Je me lague dans le pays, papa. Je pas comprendre. L'autre travail avec Blanc, moi, si j'en vieillir facile, je ne pas comprendre ça qui passe. Et, I don't know, man. Notre travail avec Blanc, moi, Gonjan, ou vieilli, rapide. Comme si vous fassiez bail là-bas rapide. Vous comprenez? Fassiez bail là-bas rapide. Comment on est sacré sous ce trop? Quand si travail ou faut travailler trop, pas qu'on est moi-même. Quand si c'est trop stress, et pas qu'on est moi-même. Vous voyez, pas qu'on est. Mais, m'a dit non que, et. Mais Gary Kouni, mon cher, c'est vieille net. 58 ans, mais c'est pas supposé grand monde comme ça. 58 ans, on va supposer à terre plate comme ça, comme si vieille au niveau pareil. 58 ans. Bah ouais, non. Bah ouais, comme ça. Bah ouais, pour que Gary Kouni te vieille comme ça. Bon, pas qu'on est. Mais il vient en Haïti là, me garantis. T'as l'autre de la ne capi jeune passe la bagain. Parce qu'Ariel te vieille net. Ariel qui prend pays sa papa. Comme on voit la dirige. Mais ne qui vient pi jeune qui Ariel là, mon cher. Et. Il a oui, protège nous ne pi jeune qui Ariel la pays. Mais quand y a la Ariel a fini là. Quand elle est dans l'état, m'y quoi. Quand elle est Philadelphia. Philadelphia, m'a connu. Quand elle est l'autre bois. Dans la zone, dans cette ça, quand elle est Fredji ça. Déjà, m'a dit pas à l'aise. Il pas à l'aise tout. Son exil planifié. Ça sont exil planifié. Soit ça danger tout, oui. Pour une autorité qui prend dehors, qui sorti dehors, mais que c'est dans contexte ça. Mais on connaît que pas ka font un président qui élu démocratiquement ça. Et s'il a fait tout, il tape grave en pile. Et il tape grave en pile, pas qu'il est capable kembe une autorité qui élu démocratiquement ça. Et comme Ariel c'était un président Twitter, un président Twitter ou bien ex. Et ça arrive, le rivière, Jean le rivière. Mais Ariel Allé, nous faisons plus l'effort pour que nous changions de domaine, changions ça le plus vite possible. Nous avons essayé de faire une situation difficile là, malgré tout effort qu'il fait. OK? Malgré tout effort qu'il fait. Et il décide pour faire une situation ça. Voilà. Et pour intervention, commandant chef révolution, commandant Guy Philippe, et TFA, en pile monde. Pat bravo pour intervention commandant Guy Philippe là. M'a fait un petit remettre encore sous dans l'émission pour nous tendre li. Et puis
et n'a tourné ensemble avec Pascal depuis dans la cour pays d'Haïti. Nous prenons le temps de lui. Par la suite, n'a gagné et Pascal depuis en Haïti. Comme Anagui Philippe et te fait intervention ça, l'amico un jeune média et en Haïti. C'est très intéressant. Nous capables quitter comme Anagui Philippe sous écran pour nous capables d'organiser nous. Et faut attendre déclaration comme Anagui Philippe là ou du moins nous capables de mettre ça pour vous. En attendant non parce que comme Anagui Philippe dit nous clairement s'il était là entre 2017 pardon s'il était là président Jovenel Moïse pas tape assassiné qui a environ 12 millions de monde. OK, il dit nous président Jovenel Moïse pas tape assassiné mais vinn parler avec nous mais président. Et je vais mettre la version ça pour nous. Président Jovenel Moïse. Entre 2017, je dirais entre 2015. Je vais mettre la déclaration ça pour nous. Que je trouve qui est extrêmement important pour que nous partagions ensemble avec vous. Une intervention tête chargée que le président Jovenel Moïse a fait. Quand il a parlé ensemble avec les politiciens avec vous. Eh ben suite avec déclaration ça n'est pas le boule pays à plus craser pays à plus fait plus ak malhonnête. OK, dans pays a et qui t'a mené assassinat président pays a qui c'est président Jovenel Moïse et côté li très intéressant hein? C'est allé comme ça le côté a. Voilà. Même j'ai avec route. Meni, président Jovenel Moïse, n'a pas un petit coup de pause et un petit castan pendant qu'il attendait l'intervention ça et puis m'a tourné dans quelques secondes. Président Jovenel Moïse. Saint-Jean du Sud pour aller à Bakou, route moun kap viv do mon yo. Tout route ça était dans programme non, mais pays lok, di fe, vilo ka élevé le point du fond jour, m'a konn coup di fe jouti. Équipement yo nous t'obligé dans veiller yo équipement boulé dans 160 millions équipement dollars équipement acheté il y a environ 8 millions dollars équipement qui boulé parce que il y a des monde qui yo n'a goum à clope moi même mais dis nous ça chaque monde qui dans politique dans pays a surtout frère Maxime qui dans opposition yo roche là te bam ni tout même pas prendre coûte roche m'bran m'pa lever roche m'a quitter la terre m'pa là pour m'voyer roche sou m'pa jamais faire ça parce que m'connais que cette mafia criminelle d'État qui montait dans le pays ça pour monter nous yon contre l'autre, qui va nous tuer des salines dans la mafia ça aujourd'hui, moi-même m'en fasse. Et m'en même de vous venir en face. Parce que c'est lui-même qui a pêché le pays à gagner courant. C'est lui qui a pêché le route. C'est lui-même qui a pêché le globe pour le monde. C'est lui qui a pêché le l'école construite dans toute section communale pays. C'est lui qui a pêché le centre de santé, l'hôpital construit à travers tout le pays. C'est lui qui a pêché le rebrasement fait dans le monde. 77% pays à ce monde. Et pourtant, nous avons débrasé. Nous avons réfléchi, même Jean Jodi, à nous-mêmes nous fait. Nous construisons 500 germoplastes dans le pays. Il y a 4 qui inaugurent déjà. Je prends une nouvelle ministre environnement, dis-moi. 100 germoplastes dans le pays pour inaugurer. Chaque centre ça qui doit produire 4 500 000 pieds bois chaque année. Ça veut dire l'on prend 5, on multiplie par 4,5 millions, il y a 22 500 000 pieds bois qui a produit pour planter dans le monde. Et je crois qu'on décret qui prend pour que l'obligation faite à tout le monde qui parle de l'école pour obliger à planter pieds bois. Ça, c'est ce qu'on fait. Nous-mêmes qui sommes en politique aujourd'hui, nous connaissons un pile dans nous peut-être parfois. Gagner position qui radicale. Mais m'a dit nous position radicale pour nous, c'est position peuple là. Je dis à est-ce que ça yo, c'est pas au même peuple a besoin. Est-ce que yo pas besoin méga pépinière, même gens ça construit dans ma front, dans Camperin, dans fond des nègres, dans Aubert, dans Port de Paix, dans Grand Pré dans Nord, est-ce que c'est pas ça peuple a besoin? Même gens route a construit pour sortir ça pour sortir Carrefour Joffre pour aller dans sa foule, est-ce que c'est pas ça peuple a besoin? Même gens mon chien je dis à craser moun BDN qui te kon mouri nan mon sa jodi a mon chien li commencé me connaissable nan bon sens lan. Ça veut dire mon chien béton a couler sur lui pour connecter
la commune de Bédouen à la commune de Bombadopolis. Projet que nous avons pour nous connecter les quatre communes du bas nord-ouest. Je vais parler de Bédouen, Bombadopolis, Mol Saint-Nicolas et Jean-Abel. Route 4 construit Kounia pour nous connecter commune Jean-Abel avec commune Mol Saint-Nicolas en passant par bord de mer de Jean-Abel. Est-ce que ce n'est pas ça que le peuple a besoin? Centrale électrique que nous allons installer dans Saint-Raphaël. Renforcement centrale électrique dans Chevry, dans Fort Liberté, qui pourra le faire, je ne te dis, dans le premier trimestre année ça. Renforcement centrale électrique dans Jacmel qui commençait là. Je crois que d'ici week-end ça, ou bien week-end prochain, Jacmel a passé à 24 sur 24. Je voulais parler de commune Jacmel, Ka Jacmel et Marigo. Ça y est. Bali, Bolova. Est-ce que c'est pas le même pays a besoin? Mon Jérémy, qui te connaît à faire lumière trois fois par année. Les fêtes de décembre, les fêtes patronales, je voulais parler de fête Saint-Louis avec les gros chefs qui viennent Jérémy. Je dis à Jérémy qui a 18 têtes dans le courant par jour, Jérémy pourra le passer à 24 ou 24 parce que mes nouvelles transformateurs arrivent. Ville Caille, je dis à, nous avons pris une décision en décembre 2019, nous avons porté 5,4 MW au Caille, nous allons augmenter, nous allons mettre près de 8 MW, je crois, au Caille. Pour nous passer au Caille, Maniche, Campérin, Torbec, Saint-Jean du Sud, Aniquet, Chantal, Port-Salut, Cavaillon et Saint-Louis du Sud pour nous passer à 24 sur 24. C'est pour rêve lié. C'est réalité. Pour qui ça, c'est parce que son pouvoir que bon peuple qui te bamouel, moi décide gouma avec moun pour moi, moi décide pas gouma moun que m'a doué gouma. Ou même qui n'a politique, mais pas qu'à gouma, c'est dans la démocratie. Nous. C'est droit pour venir, pour capable de demander des bagages qu'on voulait pour le peuple. Là. Mais ce n'est pas droit pour casser le pays. C'est pas droit pour bouler le pays. C'est droit pour venir camper bon côté pour nous gommer contre l'oligarchie pour ça. Bali, bon comprennent que Haïti, c'est pour eux. C'est droit ça. Et c'est avec eux que je vais gommer. Je vais gommer contre eux. Parce que ou même ou sont victimes, même j'appelle ça. Ça veut dire, je dis, nous prenons décision pour nous casser tout ça qui coûte la population. Et nous prenons cela, nous aller. Personne n'a pas empêcher nous. Parce que le peuple, là, c'est lui qui a nous pouvoir. Et le pouvoir pour nous faire. Je répète, chaque monde qui connaît le combat et l'étape dans mon, pas quitter c'est moi qui viens chercher. Parce que dans la dernière année, je viens chercher le trailer. Bali, Bolova. Potel maman, parce que le pas pour vous. Le pas pour vous, on met lui. Met lui, c'est peuple haïtien. C'est moun sa ou kap viv dans l'arrière-pays qui n'a personne qui pour défendre yo. Moun kap viv dans Bodmer Jean-Abel yo. Moun kap viv dans Grand Gosier yo. Moun kap viv dans Belance, dans Benet, dans Kajakmel. Moun sa yo. Sa haïtien yo, même j'ai avec nous. Moun kap viv nan Valier, nan Monbe Kochu, moun kap viv nan Kapoti, moun Silvestre, moun Bois de Lorenz, moun sa yo. Moun akul samedi yo, c'est moun même avec nous yo. Nou pa ka bliye yo. Nou pa gen droit abandonner yo, parce que si nous besoin construire un pays meilleur pour haïtien kap vini, c'est jodi a pour nous commencer. Et pour nous commencer, il faut gen moun ki gen courage ki nan tête pays a. Des moun ki pa vin persécuter personne. Des moun ki vin persécuter sous développement misère. Des moun ki vin di ou que là où fouillé mais dans Diakout Père Éternel ou bien dans Diakout Zaka, c'est pour couper. Parce que Diakout peuple, l'argent peuple, c'est pour respecter ça. Ou bien il doit fouiller mais là-dedans. Et c'est pour ça, je profite l'occasion, comme dit tout le monde, Zafé, dialogue là, il est permanent. Nous ne pouvons jamais suspendre par la fouille, nous, qui sommes dans l'opposition politique. Et dialogue là, c'est pour le front. Je dis à nous, nous avons un dialogue de bois. Nos dialogue de sourds, je dirais. C'est pour nous identifier vrai l'ennemi nous. L'ennemi peuple, c'est l'ennemi pao. Pour qu'ils soient campés, pour quitter des gens qui ont fait mentir depuis 10 ans, qui ont enterré nous, qui ont tué le président, qui ont exilé le président, qui ont emprisonné le président, qui ont assassiné le président, qui ont léché le président. Et puis, les gens, c'est aujourd'hui qu'on a couru toujours. Le moment arrivé pour que voile ça tombe dans le pays. Pour qui ça qu'on fait 4 ans pour persécuter moun? C'est la première fois que ça arrive dans le pays. Comme on arrive président, ou laisse les persécuter moun, c'est moun qui a persécuté. Je ne vais pas sous persécuter personne. Parce que je vais persécuter la misère. Je vais persécuter sous-développement.
Je dis à femme du c'est pour nous faire une chaîne solidarité pour nous retirer le pays dans sa lieu. C'est pour nous faire une chaîne solidarité pour payer avec l'autre constitution. Pour Haïtiens qui vivent dans la diaspora qui riche qui viennent investir dans le pays. Ou à venir dire Haïti qui a une sécurité, il n'y a pas qu'à venir. Et vous-même, quoi doit faire million pour là. Ou à planifier une sécurité pour faire au peuple pour ne pas donner. Mais la diaspora comprend. Nous, nous qui ça a été fait dans le mois de décembre, vous prêchez nous par l'exemple. C'est gravier de m'obliger à mettre pour la diaspora venir dans le pays. Pas que je ne peux parler de développement pays sans diaspora haïtienne. Non. Et là, pays en Afrique, qui a pris aujourd'hui, qui s'en bat, c'est diaspora. Yo. Ça veut dire que le monde parti, il y a le travail, il y a l'étudier, c'est pour nous connaître une nouvelle porte pour tourner. Le culte de la médiocrité, c'est pour nous suspendre ça dans le pays. Pour nous remplacer par le culte de l'excellence. C'est ça pour nous faire. Ça veut dire que les gens qui sont plus forts, les gens qui sont plus capables, c'est pour nous faire position dans le pays, pour nous travailler, pour nous investir, pour nous capables de quitter un pays meilleur pour les générations qui viennent. Moi-même, moi, quoi? Je crois que je me dis, nous, matin, en pile vérité, frère Maxime qui est en opposition, moment arrivé, peuple a compris tout le bagaille. Pas occupé, nous. Peuple a déboulé le pays, même dit nous, ça, c'est pas nous-mêmes l'opposition qui te fait le boulot. Moun servent avec nous. Yo fait nous faire peuple à bouler le pays. Jodia, moun kap servent avec nous, yo, c'est pour nous faire suspendre parce que peuple a lui-même quitté ça déjà. Peuple a pas travaillé comme ça encore. Il n'a pas fait bouler le pays. Jodia, il a construit. Jodia, nous venons garder des belles systèmes ça pour lui. C'est l'argent. Parce que le contribuable international, il a bâillé l'argent pour belle bâille qu'on s'est construit, c'est pour peuple là. Peuple a bouqué. Ou même je dis que il y a des gens qui ont chauffé tête pour pouvoir mentir, pour prendre la rue, pour venir dans ce qui passe, dans le roche, dans le caoutchouc, pour la police dans le retour, parce que l'on a la prison, c'est pour qu'on doit aller. Les gens qui ont un gros cobble qui ont un timonier, l'argent n'a pas chier. Bali, Bolova! Ressaisir parce que je dis à son pays, nous vient pour nous construire. Son pays nous vient pour nous mettre lumière là-dedans. Son pays nous vient pour nous mettre de l'eau pour nous boire, de l'eau pour nous nourrir jardin, de l'eau pour nous faire industrie. Son pays nous vient pour nous construire route là-dedans. Son pays nous vient pour nous construire campus universitaire dans la région. Son pays nous vient pour nous construire lycée d'excellence. Même gens, ça prend le fait. Non, non, premier lycée d'excellence, songez, c'est ça que je me dis dans la campagne. Je me dis que ce n'est pas possible pour un petit monde. Là, il finit la sixième année, là, il fait moins 9 l'école et puis son code cabrit qui n'en jodi avec Taïwan. Que publiquement, remercier, nous jouons, nous montons un programme avec eux pour 28 millions de dollars pour nous construire le premier lycée d'excellence dans le pays, pour que les gens qui sont capables, les gens sud-ouest, pour ne pas quitter dans la rue encore, pour nous jouer nos côtés pour entrer. Et capacité lycée, ça, la bien capacité pour prendre 750 personnes. Les gens et non concours pour prendre les gens qui sont meilleurs. Et lycée, ça, son lycée complet, là-dedans, de 28 millions de dollars, ça veut dire la bien internat, tout le monde, là, après, il y a manger. Il y a bien dormi, il y a bien côté pour faire sport. Si il y a élèves qui t'ont lycée ça, c'est pour parler plusieurs langues couramment pour aller à l'université. C'est ça. Si... Président Jovenel Moïse, j'ai toujours envie, et alors n'importe quelle même possibilité pour me prendre une pause, ou bien tout me gagne exigence pour que me prenne une pause. Et l'important pour moi, pour que moi propose là avec ti, et intervention ça pendant environ 15 minutes que le président a fait. Et c'était dans la zone Torsel, dans la zone Torsel, 370, côté qui a inauguré une base, une centrale d'INEPA. Le président a tout profité de faire déclaration ça. Jovenel Moïse a une vision pays. Jovenel Moïse a pensé à Haïti. Jovenel Moïse a été loin pour Haïti. Et c'est raison ça qui cause assassin yon manje président. Et docteur Gary Koni, ou met fait sauvle. Peut-être ou capable peur, mais ou pas capable parler de ces assassinat président Jovenel Moïse là. Fin met pi ou atem, ba mandou pour faire tout bagarre à la fois. Fin monte cabinet ministériel ou. Si nous ka krasé, koulev cette traite la krasé le plat. Et puis,
faut que vérité établie dans cadre dossier président. Comme on a dit Philippe te fait intervention ça, faut me passer pour payer encore. Président, pour tes sénateurs. Et qui différence ou t'as fait? Qui sont pensés ou t'es capoté comme différence? Premièrement, je suis que le président Jovenel va mourir. Ah bon? Je pense ça. Deuxièmement, problème de sécurité, ça va pas arriver là. Non seulement nous avons mis des structures, nous avons aidé le président à comprendre et forcer pour que le pays ait bonne sécurité. Deuxièmement, nous avons forcé tout pour que les barrages sociaux qui vous faites pour les jeunes ne tombent pas dans la délinquance et juvénile que vous tombez. Bon, je fais campagne ensemble avec le président Jovenel et je ne suis pas capable de me prochain, nous faisons campagne ensemble et je remets et discours, je remets projet, surtout électrifier. Tout le pays a pris son bagage qui était très bon, qui était très bon. Et barrage que vous avez fait pour porter de l'eau, bah, les paysans, pour l'agriculture, pour production nationale là. Oui, je pense que je suis capable d'influencer et si je suis là encore une fois, je dis il va mourir. Mais l'autre dit pas mourir, comme ça. Dans quel monde nous avons quitté pour tout le monde qui est rentré dans le pays, tout le monde qui est rentré dans le pays, pour nous parler. Dans quel monde nous avons connu le premier attentat complot sur le président en janvier? Et puis, on n'est pas fait, juste à ce qu'il a assassiné en juillet. Non, non ça, monde, ça va pas passer. Monde qui assassiné le président, c'est des proches présidents. Il y a plein de monde qui pense ça. Eh bien, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il va la priver. Bon, est-ce que vous pensez que le président Jovenel là, ou même le président, ça va priver? Je ne sais pas que ça va priver. Premièrement, je ne vais pas prendre la sécurité. L'agent sécurité, c'est moi qui ai choisi ça. Je ne vais pas prendre l'agent et sécurité. Deuxièmement, si je prends position, je prends le net et mal là-dedans. Je ne vais pas hésiter. Position, je vais prendre là-dedans, je vais prendre là-dedans. Et je ne suis pas sûr que je suis sécurité. Je ne peux pas faire révolution, je ne peux pas changer l'État. Tout ça, le président Jovenel, il a dénoncé. Il ne peut pas faire s'il va assurer la sécurité parce qu'il a tué quand même. Et je dis ça. Je dis ça ici à Corail. Corail qui est tout près. Je vais marcher avec moi, je dis Madame Martine Moïse. Je dis, le président a parlé, au moins il a assassiné. Et pour qui équipe a assassiné. On t'a dit ça? Avant, il a kidnappé, je dis. Mais ça qu'il faut, tu as ça? Parce que discours, parce que j'en ai parlé là, réforme libre à le faire, sale deal libre à le faire, agriculture. Vous pensez que la mafia qui a fait importation abusive du riz, c'est plus qu'un milliard de dollars, ils ont importé du riz. Le président, bah, même Maga là, c'est même Maga là qu'on va faire face. Je vais neutraliser. Je vais garantir qu'il va neutraliser. Il y a 20 travail pour développer un pays d'Haïti, mais il va neutraliser. Il n'y a aucun monde qui a quitté. Parce que c'est même Maga là sous ta président, c'est même Maga là qu'on va faire face avec. Ça, mais c'est ça, le président Jovenel était hésitant. Le président Jovenel, son nègre guidé, son pelier. Puis l'homme, c'est dans la paix. Ou bien il fait pasteur. Parce que comment vous voulez dire, on va battre un système corrompu comme ça. Comment vous voulez dire, on va battre avec des nègres qui font des millions par semaine. Ou bien qui importent des milliards de dollars dans le jury, 20 blackouts dans le pays. Comment vous pensez qu'on va battre avec un système ça et vous ne pouvez pas même contrôler la sécurité? Vous ne pouvez pas même contrôler la sécurité. Moi-même, je dis que ça, c'est des questions, c'est des bagailles. Pour n'importe monde qui veut Haïti, river côté Libéa, nous pas obligé de travailler sur eux. Faut que nous suspendions question importation abusive, on sait des bagages que nous avons fait en Haïti. T'as coup du riz, t'as coup pas de tomates, t'as coup l'huile. C'est ici en Haïti pour faire. Je, c'est ici pour faire. Poule, c'est nous pour faire pour l'eau. Comment vous voulez dire, tout ça nous a produit, nous quitter mafia à l'autre pays, contrôler le pays politicien en Haïti, et puis nous même craser la production nationale. Accepter une série d'aides qui a tué le pays. Premièrement, ça, le président Jovenel a fait ça. N'importe quel président fait, c'est 10 blancs, s'il vous plaît. Pas bonne aide encore. Aide ou pas bonne aide, nous n'avons pas besoin d'aide. Guy, économiquement, qui sont vivants aujourd'hui? Oh bah oui, ils sont grands propriétaires terriens. Vous voyez combien de jardins de non, il y a un petit business, il y a un petit côté de MDA là. Ok. Je n'ai pas besoin de pile pour me vivre, je n'ai pas besoin de pile pour que je me content. Donc, moi, j'ai tout ça pour que je me content. Donc, seul ça qui était pour me fêter chaque jour, c'est le peuple ici qui a vécu dans le monde. Mais l'autre est sorti États-Unis, accueil sur des jeunes. Tout le monde dit comment il fait jeune. Tout accueil ça. Ça t'est fort. Je suis content. Je suis content avec le peuple, je suis content avec le pays, mais je remercie encore pour l'accueil là. Et si je suis même je comprends même plus bien que l'autre. Privilégié. Parce que moun yo connaît, yo kap senti ça. Nan ou, l'on pas sous bluff. L'on dit yo vin fon travail, c'est pour yo lié. Si yo fon confiance, yo marche avant. Yo te fait ça à Aristide. Yo te fait ça au président Jovenel, surtout après la mort là. Et yo te bon chance ça pour me sentir. Bon, ma, yo te dit ça. L'amour ça. Te dit, petit tout, États-Unis?
Oui, tous les madame trois. Madame hein? Madame ou non? Bah, madame. Ok. Bon, on va faire vos petits tours. Pendant qu'on parle de l'ambassade américaine, comme ça. On va faire vos familles aux États-Unis. Petit moi, guerrier, oui. Petit moi, aussi en Haïti, il y a bien vivre avec moi. Ils ont tout accepté, c'est Haïti, ils voulaient vivre, oui. Et puis, ils ont accepté que moi-même, moi, j'ai vie, mais j'ai vie par eux. Guy, en tout cas, merci un peu, man. Et surtout courage, man. Merci un peu, Bolebam. Dis, peuple, courage, n'a pas gagné. Qui toujours a des problèmes. Côté toute structure de sécurité, sous compte étrangère. L'ambassade américaine, c'est lui qui contrôle la police, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui met le ministre, c'est lui qui met le premier ministre. Nous sommes salvés là, il met tout salvé. Et il viole toute loi, aucun monde ne peut dire rien. Si nous ne mettons pas un frein dans une mauvaise pratique, ça. Vous mettez des Kenya à Bin là, tout le monde a venu, après 2-3 ans là, la situation n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a pas de bataille avec gang, il n'y a pas de bataille groupe armé. Si vous n'avez pas de groupe armé, il n'y a pas de bataille gang. Et pas de gens qui peuvent remettre les armes. Donc là, au final, il y a 2-3 ans. Haïti a tombé dans un trou pirate. Chaque jour, nous avons un trou, c'est pour nous assurer comme peuple, comme nation, nous mettons des conditions, madame Douane. Nous disons, ok, mon autre chance, nous baillons toute société. Nous disons, même, vous avez volé comme Petro-Caribé, vous avez fait une équipe faux, bagaille, vous prenez l'argent, nous prions pour nous donner. Moyennant qu'on remette comme ça. Vous avez volé comme tremblement de terre, nous prions pour nous donner. Moyennant qu'on remette comme ça, d'une côté comme là. Vous avez assassiné, vous avez kidnappé, vous avez gang, nous prions pour nous donner. D'une qui est-ce qui est ça? D'une côté, je viens de ça. D'une l'argent qu'on fait à côté, on met. Dans qui banque, qui structure et qui met sous place pour une bonne munition. Pour nous comprendre le problème, pour nous entrer dans le profondeur du problème et pour nous résoudre le problème. Okay. Donc c'est ça qui est amnistie. Ce n'est pas impunité amnistie. C'est bail pays en chance pour le vivre. Et amnistie n'est pas pour gang, c'est pour tout le monde. Et encore une fois, je me dis, les politiciens font pays à plus mal. Ancien président, ancien premier ministre, ministre de l'Union fait pays à plus mal que gang. Okay. Donc c'est pour ta compte amnistie. Et pour la plus bon. Élection fine faite. Ou élu, même avant de prêter serment, donc gagné en arrestation qui fait, tu as arrêté, tu as mené aux États-Unis. Qui expérience tout le temps ça au fait dans la prison États-Unis? Qui l'autre Guy Philippe que nous avons aujourd'hui? Bon, je pense que l'arrestation, je ne vais pas faire. Il faut que tu fasses parce que tu as peur. Tu as peur de discours, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que tu as fait de toute façon. Je suis juste retardé. Parce que depuis les samedis clairs, et même ils ont non qu'à partir des discours en Haïti, mais eux même ils ont tendu, ils ont analysé. Moins clair depuis les ça, faut qu'il y ait justice sociale, faut que pays a changé, faut que structure l'État a changé. Donc blanc avec complicité en Haïti traite de l'intérieur, yo, ils vont être capables de comploter pour faire ça au fer. Ils ont dit ils ont comploté Guy Philippe Guémanda, même tout n'est là. Bon, ils ont Guémanda ou pas Guémanda des CBJ, coûte Manda. Ils ont dit Guy Philippe c'est drogue dealer, coûte drogue là. Pour ça c'est pour l'argent, comme vous dites c'est l'argent, trop l'argent gain, coûte l'argent. Ils vont être capables un dollar. Il va pas montrer un bout de drogue, il va pas montrer un rien, le kidnappe un sénateur. Premièrement. Mais où te plaide coupable? Est-ce que son stratégie pour ça? Ou pas capable de coupable parce que c'est ça arrive, c'est pas tant qu'à preuve. Ça exactement. J'ai prend l'argent au présenté le avocat là. Il dit c'est tant qu'on fait on conspire ici. Avait dit ou conspirer avec l'autre monde pour te faire mal. Pour des gens qui étaient dans la drogue qui dit yo ba Guy Philippe Cob. Ou pas contre ça retirer charge drogue. Et puis on dit OK non c'est là on gagne. Tout le monde finit, il finit pour me dire que Philippe doit dire que doit dire. Quand je vais aux États-Unis, je dis que je vais dans le jugement. Il faut que je montre qui pourrait venir contre nous. Oui, parce que. Je dis oui, l'autre est commandé au Cap le 13 janvier, avec le 7 janvier 2000, avec le 13 janvier 2000, et date ça plus ou moins. Et comme ça, en semaine, il y a tel bateau qui est aux États-Unis, je dis que c'est dans le bureau, même il y a aller devant, il y a un cop pour mener les drogues aux États-Unis. Mais ça, on ne connaît pas. Moi-même, je n'ai pas de passeport. Je fais tout le mois janvier 2000 aux États-Unis parce que petit mois d'ap fait et je suis allé en accouchement. Mais c'est okay, bon, si un public defender de gain. Non, je suis avocat. Donc, quand il y a un avocat, je dis avocat, ok, mais passe pas, je regarde pour en 2000, c'est pas là, je comment je fais là et puis je suis allé en bureau, moi personne ne me dès lors, et c'est celle-là que je suis allé. Je suis allé en bureau, chaud. Et puis je me dis, non, c'est pas drogue, c'est l'argent. Ou tu prends l'argent dans mes drogues, l'autre commandant. Qui a beaucoup de l'argent jusqu'à présent au Sojé Bank Sojé Bank te baye comment encore rapport dit me gon paquet de dollars al Sojé Bank nous même c'est journaliste al Sojé Bank al garder pour si gon seul côté me gen 3 millions de dollars américains on seul jour bon OK si je joine 300 millions américains bon OK on mettre condamné qu'on y a avocat là dit comme ça que faut prendre plia ou pas ka gagner en conspiration charge ça c'est nèg démocrate qui vient avec en 1995 1994 qui mettait pour écraser nèg noir
aux États-Unis. Ça veut dire que vous mettez conspiration sur vous, n'importe qui prend en prison, vous dites ok, viens, dit oui. Dis où de contre monsieur. Il n'y a pas besoin aucune preuve, non? Deux mondes. Et l'autre, vous mettez une conspiration sur moi, vous prenez pas 10 nègres analytiques dans la prison, pour vous dire ok, oui, nous allons défendre. Généralement, le public attorney, ça nous est les. Public defender? Non, public defender, c'est avocat, l'État metté à la disposition. Ah, on parle. On parle de attorney général, là, c'est comme si on a du commissaire. Prosecuteur. Oui, prosecuteur. Le offre plea bargain, là, c'est comme si on a du gain en pile preuve. Non. Il connaît que vous pas qu'à venir défendre vraiment ou bien. Non. Généralement, c'est ça. Non, elle comprend. Vous connaissez la loi, elle est basée sur la loi germano-urbanique, c'est sur la jurisprudence américaine. Okay. Donc, il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de rien. Depuis qu'il y a deux personnes qui disent oui, mais ce que tu fais, il n'y a pas besoin de prendre un condamné. Quand il y a l'un dans la prison, qui traitement est-ce qu'il y a des gens qui viennent parler avant, qui viennent dire des bagailles comme si tu dis de l'autre bagaille? Parce que, pour juste qu'on y a en Haïti, mon toujours bon doute puis dit qu'est-ce que ça on t'a dit à Guy Philippe, est-ce que le bon mission, est-ce que d'accord pour le fond bagaille le tourner, qui comment te planter? Eh bien si mais on te bon mission pour me faire révolution mettre au dehors dans pays. Bon mais tout on a quel que soit ça dit on monde là comme si mon n'a toujours gon dans tête lui. Mais comment traitement on te généralement là dans prison? Bon, son prisonnier mieux traité dans prisonnier mais ça qui passe tout prisonnier pas tout le même traitement. Ça dépend moyen. Tu pour gain moyen dans quel que soit pays oui. Ou qu'on fait prison en plus bien qu'on l'autre ou gâcher téléphone ou on gagne tout ça gain ou qu'on manger plus bien d'ailleurs dans prison par exemple c'est pas dans prison Haïti yo gagne market yo ou gagne lâcher belle tennis ou acheter tout ça veut manger ou gagne microwave ou gagne toute bagaille toute prison on va même traitement ça dépend de pour qui sont dans prison toute prison États-Unis c'est comme ça en tout cas dans tout ça moi côté me dire là moi bien moyen de pour vivre bien dans prison. Et très bien justement c'était commandant Guy Philippe petite intervention ça toujours envie de partager l'ensemble avec nous dans le cadre d'émission parce que nous trouvons que c'est extrêmement intéressant pour nous mettre. Alors, nous avons tourné comme ça, Kembe la balague, même intervention, question qui ça qui intéresse la Dominicanie. Nous avons plus de détails dans les affaires qui ont pour avec déstabilisation du pays d'Haïti, comment le faire arriver là, gagne 400 marques qui prend dimension et qui pour une capacité armement extraordinaire, ZAM qui rentre dans le pays par la frontière et que nous avons avec la Dominicanie. Nous prenons l'OL dans l'académission. Et en plus de ça, Normil Rameau, est-ce que c'est lui qui est directeur général de la police nationale d'Haïti? Nous prenons l'OL ça tout à l'heure comme ça, dans la deuxième édition, il faut mettre tout pour journée. Kembe la balague, nous prenons tout à l'heure comme ça.